FIM 24. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée, avec Aboubacar Diallo, Talibé Barry, Mamadou Ri Diallo, Akumba Diallo, Kabine Fofana, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes le jeudi 9 février. Le plaisir de vous savoir très très nombreux à l'écoute de Mirador quand il est 8h sous FIM Guinée et sous l'ensemble de ses déclinaisons digitales. Vous êtes en région, vous nous rejoignez sur nos médias partenaires. Merci de votre fidélité. À la une ce matin, cette mauvaise nouvelle pour les commerçants du côté d'Anta, du marché d'Anta. Depuis 2h du matin, un incendie ravage une partie de ce marché dans la commune de Matoto. Selon des informations recueillies sur les lieux par notre reporter tout-terrain Sori Kandia à Bangoura, le feu s'est déclaré à l'intérieur du marché après les efforts impuissants de quelques boutiquiers réveillés par le feu qui se propageait à vive allure. Ce sont les sapeurs-pompiers qui s'activent depuis plusieurs heures pour arriver à bout des flammes, aidés en cela par des policiers et des gendarmes mobilisés en grand nombre. Selon le secrétaire général du marché d'Anta, cet incendie d'origine électrique, encore une fois EDG qui est pointé du doigt, cet incendie donc a ravagé plusieurs dizaines de conteneurs. Ces boutiques, quelle est la situation qui prévaut dans l'un des plus grands marchés de Conakry, donc en proie au feu depuis 2h du matin? Nous irons chercher des éléments de réponse auprès de la Direction Générale de la Protection Civile mobilisée sur les lieux à printemps. Et si tout va bien aussi, nous interrogerons le maire Mamadou Batos Camara. En 2022, les autorités de la transition ont jeté toutes leurs forces dans l'organisation des assises nationales et des premiers travaux du cadre de dialogue interguinéen dit inclusif. Deux événements qui auront tant soit peu souffert de leur boycott par l'aile dure de la classe politique, la classe sociopolitique guinéenne plutôt. C'est à croire cependant que ces deux grands messes de leur CNRD sont confrontés au casse-tête de l'application de leurs conclusions ou recommandations. Des conclusions dans lesquelles, il faut le rappeler, les partisans du boycott des acteurs de la classe politique et de la société civile sont loin de se reconnaître, estimant par conséquent qu'elle pêche d'une insuffisance de légitimité, écrit Talibé Barry. Alors, à quand le début de l'application effective des conclusions de ces deux événements, à savoir les assises nationales et le cadre de dialogue dit inclusif? Que font le gouvernement et les facilitatrices pour faire adhérer tous les acteurs au cadre de dialogue interguinéen? C'est l'autre question sous la table ce matin. D'ailleurs, y a-t-il des raisons de penser que les trois facilitatrices ont jeté l'éponge au sortir des récents travaux du cadre du dit cadre de dialogue? Nous essayons donc de comprendre ce matin avec Dr Makale Traoré, qui est notre invité précis du jour et sera avec nous dès 9h sur notre antenne. Le 1er janvier 2023, les compteurs de la transition sont censés avoir été remis à zéro. Depuis cette date repère, la Guinée est supposée être dans la dynamique plutôt des 24 mois sous lesquels elle s'est accordée avec la CEDEAO pour acter son retour effectif à l'ordre constitutionnel. Toutefois, moult observateurs sont sceptiques quant à l'effectivité du retour des civils au pouvoir au terme de ces 2 ans de transition. La volonté réelle des actuels dirigeants de passer la main est fortement mise en doute par ceux qui reprochent au colonel Mamadi Doumbouya, par ailleurs, plutôt au colonel Mamadi Doumbouya, la tentation de jouer les prolongations. S'y ajoute par ailleurs les risques que fait peser la détermination d'une partie des forces sociopolitiques d'en découdre avec le CNRD pour exiger, disent-ils, leur prise en compte dans la gestion de cette période d'exception. Un juste milieu est-il trouvable pour concilier les positions très tranchées entre les autorités de la transition et les acteurs opposés à leur magistère? Talibé pose la question. Les manifestations sont-elles le seul moyen auquel les forces contestatrices de la façon dont la transition est gérée en ce moment peuvent-elles recourir? Nous essayons donc de poser ces questions aussi, des questions et d'autres que Mirador posera à M. Alpha Kola Baldé. Il est le président du parti MAD et de la coalition Guinée-Gagnante. Il prendra la parole depuis Atlanta aux États-Unis et sera dans la troisième partie de Mirador. Encore une fois, merci de nous rejoindre. Bienvenue à vous tous et à toutes. C'est notre Mirador en ligne de mire, concussionnaire. Des prédateurs et
heures passées sous nos fourches cordées. Perché sur notre mirador, en ligne de mire, concussionnaire. Des prédateurs et prévaricateurs passés sous nos fourches cordées. Encore comme si c'était hier, je me levais tôt espérant voir papa partir travailler. Avec sa mallette, il me tapotait toujours la tête me disant que j'étais le meilleur et il fallait que je protège maman jusqu'à son retour. Hier, Mouna Cyber en accompagnant mon père avec son centre informatique. Aujourd'hui, comme opérateur télécom, Mouna Group Technologies s'adapte à mon temps et c'est un homme accompli et heureux que j'arrive à me surpasser dans mon milieu familial et professionnel. J'ai finalement décidé d'être le meilleur et pour ça, il faut être avec les meilleurs. Je suis le fils de mon père, je suis exactement comme lui, mais légèrement différent. Et le meilleur cadeau qu'il m'ait jamais offert était le cadeau du temps et je lui reste fidèle. Plus d'infos, contact @mounagroup.com. Téléphone plus 224 628 34 0. Mirador, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Encore une fois, merci de votre fidélité. Merci de nous rejoindre sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Vous êtes à l'étranger, vous êtes très très nombreux à pratiquer la page Facebook de Film Guinée ou encore la chaîne YouTube de Film 24. Toute l'équipe pour vous servir et vous tenir compagnie jusqu'aux portes de 11h sur 95.3. Emmanuel Mimono, bonjour. Bienvenue. Bonjour à tous nos auditeurs de Dabola, de Guékédou et de la diaspora. Bonjour à tous. Bienvenue. Monsieur le DDR, bonjour. Bonjour Aboubacar, bonjour à tous, bonjour à toute la Guinée. Bienvenue. Tali Bebari, bonjour. Bonjour le juste, bonjour à tous. Bienvenue. Akumba Diallo, bonjour. Bonjour Aboubacar, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Nono Koursa Dalem, Nono Koumbia Dalem, aurais-je dit. Bien. Koursa gagne deux fois, bonjour. Mais j'aimerais partir en Afrique du Sud. Bien, pour Akumba. Dire bonjour à, au président de la Chambre des Mines de Guinée, qui est en même moment le haut représentant de Winning Consortium Simandou. Vous comprendrez que je parle de, permettez-moi que je dise son nom, de monsieur Ismaël Diakité, qui intervenait mardi, et c'est très honorable pour le pays, mardi, au panel de Focus Continental, le souverainisme des ressources naturelles à travers le prisme des risques d'investissement. Mmh. Alors là, le Guinéen a tenu le drapeau et il est intervenu de manière très pertinente selon le compte rendu. À quelle occasion? L'occasion du Mining Indaba Show. Ah, Indaba. Ouais. C'est une conférence internationale où les investisseurs se rencontrent, des investisseurs miniers et où des contacts. Pendant plusieurs années, on a vu l'ancien ministre Magasuba prendre part à ce forum. Absolument, absolument. Et d'ailleurs, monsieur Ibrahim, monsieur Kagbe Touré aussi. Hier, nous attendons le compte-rendu de sa prestation. Félicitations à la Chambre des Mines de Guinée. Bien, à notre compatriote Ismaël Diakité, donc haut représentant de SMB Winning Consortium. Oui. Cabinet, bonjour. Bonjour à Boakar et bonjour à tous. J'aimerais dire qu'on a retrouvé la jeune fille. Enfin, hier. Très bonne nouvelle alors. Exactement. Bien. Elle se trouve dans bravo à toi, à toutes les bonnes volontés. Ouais, merci à tous ceux qui ont travaillé. Ouais, parce que tu t'es accroché à cela. Oui, parce que la jeune dame, appelle, la petite fille plutôt, a perdu son père et sa mère. Elle a été adoptée donc par une des sœurs à son père et elle est sortie comme ça sans que personne ne sache où elle est. Et dans quelles circonstances elle a été retrouvée, Kabilé? Mais je pense que on ne sait pas encore, sauf que l'on dit qu'elle a été retrouvée du côté de Yimbaya. Dans le projet qui a encore l'enfant, les enquêtes sont en cours pour voir effectivement dans quelles conditions se trouve l'enfant à la maison, voir est-ce qu'il y a une nécessité encore de la garder pour qu'on sache effectivement est-ce que la jeune fille n'était pas maltraitée. Bon, j'ai échangé avec sa maman
qui m'a dit qu'elle a tous les documents légaux qui attestent donc de l'adoption et que la jeune fille ne souffrait pas de maltraitance. Voilà, on attendra de savoir du côté de le projet. Bien, l'enfant du carré magique, bonjour. Bonjour l'influenceur, bonjour au complet Burkinabo, je ne sais pas, malien. On fait mélange de tissus venus des autres pays en transition. Oui, voilà. C'est une sorte de multi-porte de tissus. Bien entendu. Merci, hein, félicitations. Bien. Alors je dois dire bonjour à Mamou. Bonjour à nos compatriotes qui nous écoutent à Lagos, tout comme à Abuja, c'est au Nigeria. Ouais. Et en parlant du Nigeria, je voudrais dire bonjour au gouverneur de l'État d'Imo. Il s'agit de Hope Uzomo Dima et de son épouse Chioma Izodima. Qu'est-ce qui se passe et qui impulse un développement assez accéléré dans cet État. Vous avez dit l'État de Dimo. C'est au sud du Nigeria. Bien. Je ne le cite pas gratuitement parce que je voudrais bien que la Guinée s'inspire de l'État d'Imo au sud du Nigeria, qui est aussi doté de potentiel naturel presque identique à la Guinée. Ouais. Même si en plus de ça, ils ont aussi du pétrole et du gaz. Ouais. Mais l'agriculture y est abondante et je crois que le gouverneur de cet État est en train de moderniser cet État-là. On peut, dans la phase de notre pays où on parle de refondation, s'inspirer de l'État d'Imo. Pourquoi Ce n'est pas gratuitement que je le dis. Ouais. Et je termine mon bonjour à Bakar en disant au ministre du Budget de faire attention. Parce que hier, je parlais de ceux qui veulent user de chantage et de trafic d'influence en usant de leur proximité avec Mamadi Doumbouya pour faire faire des choses à des ministres. Et je crois que c'est le ministre du Budget qui semble être dans le viseur de certains. Qu'est-ce qu'on lui reproche ? Je note que là-dessus, non, on ne lui reproche rien. J'ai envie de dire que certains usent désormais de leur position, soi-disant position, de proximité ou intimité avec Mamadi Doumbouya pour tenter de faire des choses à des ministres. Et le premier qui est dans le viseur, ça semble être celui du Budget. Ouais. Il faut faire attention, sinon la refondation continuera à prendre des coups. Ouais. Mais quand on voit la tête de l'ancien Condé, je ne pense pas qu'il soit un homme à se laisser faire. En tout cas, il est averti. Ouais, ouais. Il est averti. Bien, pour commencer, Saïkouba, c'est le nom, le petit nom, Saïkouba, monsieur le DDR, cette mauvaise nouvelle pour les commerçants du côté de Antamarché. Oui, effectivement, selon notre envoyé spécial Sourikanga Bangoura, qui est sur les lieux depuis 4h du matin, on apprend que c'est un incendie d'une rare ampleur donc, qui est en train de ravager une bonne partie du marché de Anta en ce moment, puisque d'après ces informations, il nous dit que ce sont au moins une trentaine de boutiques en ce moment qui ont été consumées par les flammes. Le feu s'est déclaré à 2h. À l'instant, donc, pour ceux qui nous suivent sur nos plateformes numériques, vous voyez les images qui ont été tournées notamment par notre reporter tout-terrain, Sourikanga Bangoura. Oui, vous continuez votre récit. Alors, les flammes se sont déclarées à 2h du matin, pendant que quelques boutiquiers quand même passaient la nuit. Ils ont tenté de maîtriser les flammes sans y parvenir. Et on apprend vers 4h du matin, 5h, les équipes donc de la protection civile, les sapeurs-pompiers sont arrivés sur les lieux pour tenter de maîtriser les feux sans réussir totalement. Les équipes de la protection civile, la gendarmerie, c'est très grave ce qui se passe là, Basseko, parce que quand, sous les images, on voit que c'était un incendie assez violent. Oui, parce que d'après les informations qui nous ont été remontées par Sourikanga, c'est que le feu serait parti du transformateur qui est installé à l'intérieur donc, du marché. Encore une fois, c'est EDG. C'est ce transformateur donc, qui a l'origine du malheur, drame. Qui a pété vers 2h du matin. Vous allez voir certainement en image. Nous aurons donc on va essayer d'appeler M. Ibrahima Sourikanga, qui est le directeur régional de la protection civile, donc, qui mobilise toute une équipe autour de lui pour essayer donc, de venir à bout de ces flammes. Vous continuez, Talib. Alors, le feu s'est déclaré, c'est le transformateur qui a pété. Pour ceux qui connaissent le marché d'Anta, ce transformateur-là est dans un bâtiment donc, qui est pratiquement au milieu même du marché Anta. Le feu s'est déclaré là-bas.
et puis ça s'est propagé vers les boutiques. Ouais. Les boutiquiers ont tenté de maîtriser sans y parvenir, comme vous l'avez dit, parce que le feu était très violent. Ouais. Les sapeurs-pompiers sont arrivés vers 4h-5h du matin, mais jusqu'à présent, on n'arrive pas à maîtriser et on apprend que c'est d'origine électrique. Donc, je pense qu'il y a quelque part la responsabilité, notamment du EDG, qui est pointé du doigt. Mais comment on peut permettre également, parce que c'est qu'il faut se poser, c'est la question qu'il faut se poser, comment l'administration du marché, la municipalité de Ratoma peut permettre à ce qu'un transformateur soit installé à l'intérieur du marché, que des gens viennent installer les boutiques aux alentours. Je pense qu'il y a des défaillances, il y a des responsabilités. Oui, absolument. Le transfo, il est au marché. Non, mais on ne peut pas l'installer à Boubacar. On ne peut pas installer un transformateur au milieu d'un marché, là où les gens quand même sont en train de vivre. Ce n'est pas du tout possible. On ne peut pas laisser quand même une telle chose se passer. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'on a du mal à maîtriser les flammes. On va aller droit au but. On va aller sur le terrain pour joindre M. Ibrahima Sori, comment on apprend qu'il est déjà en ligne. Il est le directeur régional de la protection civile au niveau de Conakry. Il est... Allez, on va tenter de le rappeler. Bien, Akumba. Si c'est le marché qui avait trouvé le transformateur, je pose juste la question. Mais ce que j'aimerais dire, c'est qu'il faut, pour les automobilistes, il faut aujourd'hui, en tout cas jusqu'au moment où moi j'ai passé, il faut éviter l'axe Tombolia-Anta. J'ai passé près d'une heure. J'avais même voulu appeler Talibé pour lui dire « Ah, je risque d'être en retard. Ouais. » Jusqu'au moment où je passais vers 7h20, c'était toute une bataille. Ouais. Évidemment, il y a les sapeurs-pompiers et les forces de sécurité qui sont suffisamment mobilisées et de bonne volonté. Mais le côté de la transversale qui mène vers l'école de la gendarmerie était toujours en feu au moment de mon passage. Bien. Automobiliste, si tu permets, éviter la route, Tombolia, Anta, pour ce moment-là. Bien, on retourne au stand pour joindre. Est-ce que tu peux désactiver certains micros, s'il te plaît? Bien. Nous retournons au stand pour joindre M. Ibrahima Sori Kaba. Il est le directeur régional de la protection civile. Il est en direct. Bonjour, M. Kaba. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Nous allons très bien. Bienvenue sur Film Guinée. Et vous êtes, j'imagine, vous êtes sur place au marché d'Anta qui est en proie au feu depuis 2h du matin. Deux questions d'entrée. Qu'est-ce que de l'origine de cet incendie? Et a-t-on une idée du bilan à date, à l'heure qu'il fait? Merci. En fait, je ne peux pas me prononcer par rapport au bilan des dégâts. On n'a pas fini la situation, mais ce qui résiste la cause, c'est le transport qui est au niveau du marché d'Anta qui a pété. Et ça fait la propagation du feu vers les kiosques qui avoisinaient. Et les kiosques aussi se sont propagés vers les boutiques. Pour le moment, on est maître du feu. Le feu est éteint, mais on est en train de faire les déblais et finaliser les travaux. On ne peut pas se prononcer. Mais il n'y a pas eu de perte en vie humaine, il n'y a pas eu de blessés graves, mais de dégâts matériels très importants. Très important. Oui, Bassekou. Monsieur Kaba, sur le blanc, sur le bilan, quelle est l'ampleur aujourd'hui des dégâts? Est-ce que vous avez une idée du nombre de boutiques, de magasins pour le moment, je pense que Est-ce que vous avez réussi à maîtriser les flammes? Oui, il l'a déjà dit. Hein. Oui, je sais que je vous ai dit. Pour le moment, on n'a pas fini l'intervention. Nous sommes sur les lieux, on est en train de creuser. Après l'intervention, on va faire le constat pour évaluer les dégâts total. Mais ici, il y a deux types de boutiques que les commerçants ou marchandises. Il y a les kiosques qu'on dit conteneurs. Ça, c'est pas des magasins, c'est pas des boutiques. Plus les boutiques qui sont construites en béton dur. Donc, il y a beaucoup de kiosques à l'alentour. On peut pas les dénombrer pour le moment. Et il y a des boutiques encore solides avec leurs contenus qui sont partis en flammes. Mais là, le fait, ce que je vous dis, le fait est maîtrisé, mais c'est pas tout à fait fini. On est sur le processus de déblais et de surveillance. Mais voilà, Talibé, voilà ce qu'on pouvait dire à l'instant T avec le colonel Ibrahima Sori Kaba, directeur régional de la protection civile, donc déployé avec toute une équipe sur le terrain depuis 2h du matin. Grand merci. Vous avez une dernière question pour lui. Mon colonel, ce marché, le marché Anta, n'en est pas à son premier incendie. Ouais. Régulièrement, en tout cas précédemment, on a signalé d'autres incendies. Et pour vous, qu'est-ce qui expliquerait la récurrence donc de ces incendies dans un tel marché, un marché tellement important pour les habitants de Conakry? Ok, merci. Par rapport à ça, il y a ce qu'on appelle un POI.
un plan d'organisation interne que le marché doit avoir, spécialement pour une première fois d'abord avoir l'issue de secours, pour que quand les secours viennent, qu'il y ait l'accès. Malheureusement, dans les marchés en Guinée ici, les accès sont bloqués par les étalagistes et les kiosques. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, lorsque l'incendie a été déclaré à environ de 2 heures, les pompiers ont été appelés aux environs de 4 heures. Donc, ce temps vide a permis au feu de consumer avant l'arrivée de l'incendie des pompiers. Et le dernier point, c'est quoi? Dans le marché, il est question de faire des postes avancés. Ça veut dire, c'est de prépositionner un camion d'incendie qui est prêt à intervenir, une équipe qui est là, comme on fait à Madina, il y a un poste de gendarmerie, un poste de police. Mais malheureusement, il n'y a pas de poste de protection civile avec un camion prêt à intervenir. Parce que imaginez vous le manque de moyens. Notre première équipe qui est à la Canerie et à Ratoma, à combien de kilomètres pour qu'ils arrivent? Et s'il y avait un poste avancé, ils allaient faire les premiers travaux et la suite, nous allons venir en renfort. Oui, mais pourquoi ce n'est qu'à 4 heures où abrite le grand marché de Anta n'a qu'un seul camion d'incendie. Mon colonel. Qui se trouve au niveau de la tannerie. Mon colonel. Qui a une capacité de 3000 litres, donc une autonomie d'intervention de 20 à 30 minutes. Donc, mon colonel. Sais, on est à pied par nos collègues Topage parce qu'ils ont des grosses citernes qui nous ravitaillent en eau et nous, on fait l'intervention. Donc, s'il faut faire un plan, il faut un plan particulier d'intervention au niveau des marchés et respecter les normes. En général aussi, les kiosques, les boutiques au niveau des marchés ont 2 ou 3 phases de courant. Il y a, dans 7 secteurs, ils ont 2 ou 3 sorties. Donc, si les 2 phases-là se rencontrent et les fils ne sont pas aussi comme ça, les installations ne sont pas respectées, donc il y aura toujours des dégâts. Donc, sur ce, il y a beaucoup de dispositions à prendre. Et c'est aux autorités à tous les niveaux, aux administrateurs des marchés, ouais. Et enfin la protection civile comme conseiller technicien. Bien. Oui, Akumba, mon colonel, est-ce que les organisations patronales sont déjà présentes ou les organisations syndicales sont à vos côtés? Malheureusement, je n'ai pas vu des organisations, mais j'ai vu le président de la Chambre de commerce, M. Abdallah. Goa, président du Goa. Président du Goa plutôt, peut-être. Ah, président du Goa, c'est lui que j'ai vu au nom des commerçants qui est venu nous remercier et nous encourager par rapport à l'effort fourni. Et à part de ça, il n'y a pas eu de contact. Parce que pour le moment, nous sommes en train d'intervenir. C'est après l'intervention qu'on aura un temps libre et s'asseoir et discuter. Ouais. Une petite curiosité de ma part. Vous avez dit que les feux ont commencé à 2h du matin. Ce n'est qu'à 4h que vous êtes intervenu. Qu'est-ce qui explique ce temps mis pour vous avant d'intervenir? Oui, c'est l'alerte qui a retardé. Nous, la protection civile, nous avons été alertés aux environs de 4h. Et on a fait déplacer les premiers engins. Mais il paraîtrait que le feu s'est déclaré depuis 2 heures. C'est que le témoin de l'administration du marché nous a fait comprendre que lui, on l'a appelé aux environs de 2h30. C'est lorsqu'il est arrivé, maintenant il a constaté, il a appelé maintenant la gendarmerie et la gendarmerie nous a fait joindre. C'est aux environs de 4h qu'on a reçu l'information. C'est tard par rapport à l'alerte. Donc si l'alerte retarde, les secours aussi vont retarder. Il faudrait que la population à tous les niveaux prenne des dispositions. Vous comprenez que si vous ne connaissez rien, mais vous connaissez le numéro 18 de la protection civile, il suffit d'appeler le numéro 18 parce que c'est le numéro vert à la disposition. Ben non, mais c'est pas tout le monde qui connaît le numéro 18, mon colonel. Le numéro 18 ou bien le numéro 117 de la police. Donc à tous ces niveaux, on sera alerté, on va venir à temps. Mais je peux vous garantir que plus de la moitié des Guinéens ne savent pas c'est quoi votre numéro, ce fameux numéro 18. En tout cas, il ne nous reste plus qu'à vous dire merci, mon colonel. Merci pour tous les efforts qui ont permis de maîtriser cet incendie du côté du marché d'Anta. Grand merci. Taliban, on vient de l'écouter. Nous sommes disposés à être toujours de vos côtés. Merci bien. Mais écoutez ce colonel, voyez l'expertise qu'il a pour justement pour justement aider à prévenir ce genre de situation. Ce marché de Anta, comme tous les marchés de Conakry, il le dit, et ces marchés n'ont pas d'issue, ils n'ont pas de voie d'accès. Quand il y a un incendie, et les sapeurs-pompiers ont difficilement accès à l'épicentre de l'incendie. Et ça c'est des aspects qui signalent. L'autre chose, c'est que, imaginez, la protection civile qui est basée à la tannerie n'a qu'un camion dont la capacité d'intervention est de 30 minutes. C'est-à-dire, au bout de 30 minutes d'intervention, l'eau que le seul camion a
est épuisé. Ça veut dire que, justement, la question de la protection civile, on l'a posée au ministre de la Sécurité quand il était là. Et récemment, on fait le point, l'émission de bilan des ministres qui passaient à la RTD, la question lui a été posée. On ne peut pas comprendre que pour une grande commune comme Matoto, avec autant de marchés et autant donc de centres d'affaires et de risques donc d'incendie, qu'il n'y ait qu'un seul camion. Et il connaît la solution. Il dit que normalement, il doit avoir un poste avancé auprès de chaque, au niveau de chaque grand marché pour justement pouvoir intervenir dès qu'il y a un incendie. Donc, ça veut dire que EDG, la responsabilité EDG est pointée par rapport à ce transformateur. Est-ce que c'est la surcharge du transformateur qui l'a fait péter ou bien une panne survenue sur ce transformateur? Mais toujours est-il que, Aboubacar, les solutions existent. Il y a l'expertise pour circonscrire ou même éviter ce genre de situation. Mais dans ce pays, on voilà, sait, vous l'avez dit, l'État Talibé, on ne s'est jamais occupé, on s'est jamais occupé de la protection civile. En parlant de s'occuper de la protection civile, permettez-moi, Talibé l'a dit, depuis Damantan jusqu'à Bachir, il y a ce tableau assez triste de la protection civile que j'ai toujours présenté ici. Et je pense que c'est l'occasion de le représenter pour qu'ils entendent encore ce que c'est la protection civile aujourd'hui. Elle doit être une priorité des priorités à l'image de la Côte d'Ivoire. À l'époque, je présentais ce tableau si triste qui est celui-ci. À Kaloum, on disait à l'époque qu'il y avait un seul camion à incendie et une ambulance pour la commune de Kaloum. De ce qui est la commune de Matoto, il y avait à l'époque la plus grande d'ailleurs du pays. Un seul camion à incendie qui était à l'époque où on présentait le tableau indisponible depuis 3 semaines. Peut-être qu'on en a, on l'a remplacé et que c'est celui-là qui est sur le terrain actuellement. À Ratoma, un seul camion à incendie adapté, ça veut dire que c'est un camion qu'on a pris, qu'on a réformé, et une ambulance aussi adaptée pour la commune de Ratoma. Kabélé, un camion à incendie et une ambulance aussi adaptée. La région de Boké, un seul camion à incendie. Et le centre est indisponible depuis 4 mois à l'époque où on présentait le tableau. Du côté de Mamou chez Talibé, un seul camion à incendie et une ambulance. Du côté de Kinia, un seul camion à incendie et une ambulance. Labé, un camion à incendie et une ambulance. Farana, un camion à incendie et une ambulance. Kankan, deux camions à incendie, il faut le rappeler, dont un avait été offert par l'ancien Premier ministre Kabiné Coumara. Bien entendu. Et puis, à Sigiri, un camion à incendie, et que c'est le plus grand offert aussi par un particulier. Zérékouré, où il y a le courant abondamment maintenant et les risques d'incendie. Et à l'époque, il y avait un seul camion à incendie et une ambulance, souvent en panne, cela est mentionné. Et il a été mentionné que depuis 15 ans, à l'époque où on présentait le tableau, depuis 15 ans, l'État guinéen n'avait acheté aucun engin pour la protection civile, car tous les camions dont dispose la protection civile guinéenne étaient donc des dons des partenaires au développement. Et l'effectif de la protection civile elle-même était à l'époque de moins de 930 agents. Voilà le tableau. Bien. On en fait une priorité ou on regarde la situation? C'est très triste. Manu, allez-y. Moi, je pense que... Je parlais aussi du cas de DDG avec ces transfos qui lâchent à tout moment et qui causent beaucoup de peut-être dégâts. Peut-être dû à des surcharges, il faut le mentionner de passage. Ça peut avoir cette explication-là, ça peut être dû à de la surcharge parce que c'est vrai que le transfert dont on parle est quand même situé au cœur d'un marché et c'est appelé à travailler abondamment. Mais ce n'est pas une justification. Lorsqu'il y a de la surcharge, il faut mettre un transformateur supplémentaire pour que les deux se partagent les charges. Ça, EDG le sait pertinemment. Et je pense que on a pris assez de risques de garder un marché aussi bondé à la charge d'un seul transformateur. Et ce n'est pas seulement le marché. Il y a d'autres personnes qui habitent le quartier qui sont connectés au même marché, au même transformateur. Et c'est le cas aujourd'hui dans la majeure partie de nos quartiers. Vous avez une surcharge sur les différents transformateurs. Bien. Et ça pète à tout moment. Manu, mais je vais te laisser continuer dans un instant sur ce grave incendie donc, qui a ravagé une partie du marché d'antan. On va entendre à présent le maire de la commune de Matoto, M. Mamadou Batos Camara, qui est en direct. Sherif Abdallah. Chef Abdallah, le président d'Igoua, qui est en direct. Bonjour, monsieur Chérif. Bonjour, monsieur Diallo. Bonjour à toutes les équipes de Mirador. Bienvenue sur nos antennes. Oui, allez-y, Basseko. Monsieur Abdallah, vous êtes sur les lieux. Dites-nous,
Quelle est la situation sur place? Quel est le bilan que nous pouvons établir? Oui, d'abord, c'est difficile d'établir un bilan, mais ce que nous avons constaté ici, c'est un transport qui a explosé, qui a occasionné l'incendie de plusieurs kiosques ici, de boutiques et de magasins. Donc, les commerçants nous ont informé depuis la nuit, vers 4h du matin, 6h déjà m'a trouvé sur place, mais j'ai trouvé les sapeurs-pompiers qui ont fait du bon boulot ici, aussi la gendarmerie nationale qui a sécurisé le marché. Et partout, ils ont quand même pu maîtriser la situation actuellement, les pompiers. La gendarmerie, aussi, le boulot qu'ils ont fait est encouragé parce que les bandits ont voulu profiter la nuit pour s'attaquer aux biens des commerçants dans le marché, saccager le marché, mais la gendarmerie a empêché. Alors, ils sont vraiment à encourager parce que c'est ce que nous attendons d'eux. Maintenant, par rapport aux commerçants, ce sont les représentations du Goa dans le marché. Je les ai déjà mis à la table pour évaluer tout ce qui a été perdu ici. Ils sont sur ça actuellement. Et puis, nous avons profité de ça pour lancer des SOS à l'endroit du président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya et le gouvernement, et ainsi que toutes les bonnes volontés. Et nous allons mobiliser tous les marchés de la République et au niveau international, partout où il y a la représentation du Goa, pour venir en aide aux commerçants victimes de cet incendie. Comme vous savez, il y a déjà la précarité extraordinaire au niveau international. Donc voilà. Bien. Dernière question. Vous n'avez aucun chiffre, ou en tout cas, fut-il provisoire, sur l'étendue des dégâts? Nous sommes sur le terrain pour le moment, les commerçants sont sur ça parce que je suis un peu sollicité par la presse de gauche à droite là. C'est ce qui fait que moi je ne suis pas avec eux. Mais pour dire un bilan à l'heure actuelle, c'est difficile, mais dans la journée on peut. Bien, bien, voilà, monsieur Chérif Abdallah, président du Goa, qui était en direct sur FIM depuis le marché d'Anta qui a été, dont une partie a été ravagée par un incendie de plusieurs nuits. Grand merci à vous, monsieur Chérif Abdallah. À moi de vous remercier. Et bon courage. Oui, Manu, vous continuez. Oui, j'étais en train de dire que ces situations se produisent pratiquement dans l'essentiel de nos quartiers où il y a de la surtension sur les différents transformateurs. Mais justement, pour revenir au cas du marché de Anta, c'est établi que c'est le transformateur qui a pété. Monsieur Abdallah est en train de parler aujourd'hui d'un SOS. Mais moi, je me pose bien la question parce que ce n'est pas un SOS qui va régler le problème de ces sinistrés. Ouais. Qui va payer cette facture? Très bonne question. C'est établi que l'incendie ici, peut-être EDG trouvera encore une explication pour dire que les fils que les commerçants ont utilisés ne sont pas de bon standard. Mais est-ce que cela peut faire péter un transformateur? Ce qui a pété, ça appartient à EDG et il faut bien que quelqu'un paye cette facture-là. Et pour, si vous évaluez aujourd'hui l'immensité... En temps normal, pas pour te couper, hein, c'est ma compréhension du sujet. En temps normal, comme c'est des agents économiques, s'ils sont formalisés, on devrait normalement être dans un schéma où ils sont assurés. Ouais. Et donc, en ce moment-là... J'ai dit en temps normal. Tu comprends bien ce que j'ai dit. Ouais. Maintenant, nous savons que ce n'est pas c'est le cas. L'informel. On parle de l'informel. Écoutez-moi, je vais au bout. Bien, allez-y. J'ai dit s'ils sont formalisés. Maintenant que ce n'est pas le cas, et que nous sommes dans un état africain et social, on met un dispositif de protection sociale. C'est là où ils demandent la protection sociale. Bien. Et donc la main humanitaire ou humaniste de l'État, en ce moment, va se faire sentir. Sauf que sentir. Là, c'est cela. Moi, je pense qu'à partir du moment où on sait qui a causé le tort à ces commerçants, donc EDG, il faut demander à EDG de réparer les dégâts. Parce que si vous évaluez peut-être les dégâts qui ont été causés, ça va peut-être se chiffrer dans l'ordre de quelques milliards. Et je pense que ce montant, si EDG avait payé un transformateur supplémentaire, ouais, il aurait économisé de l'argent et évité que ce drame-là, ouais, se produise. Ouais. On est, heureusement d'ailleurs qu'il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Ce risque, ouais, il existe dans tous les quartiers. Parfois, ouais, vous êtes en train de passer, vous voyez un feu, ouais, s'allumer au niveau des transformateurs. Ouais, parce qu'il y a de la surtension et parce qu'on n'installe pas suffisamment de transformateurs pour éviter que cela se produise. Oui. Le dernier point sur lequel je voulais intervenir à Boakar, c'est aussi la cupidité des administrateurs du marché. Le directeur régional de la protection civile l'a bien dit, il n'y a même pas d'issue de secours. Ouais. C'est-à-dire que le feu est dans le marché, ouais, on vient, il n'y a pas de passage pour intervenir. Ouais. Rappelez-vous, c'est arrivé quand aussi. On sait, c'est arrivé quand aussi à Zéro Corée. Quand on sait, Manu, combien de fois ce marché il est bondé, saturé, justement, il est presque inaccessible. Mais surtout le côté... Ils ont occupé même de l'autoroute. Part, le côté, si vous allez vers la sortie, le côté gauche, mais c'est inaccessible.
C'est inaccessible. C'est pas possible de rouler. Mais les bonnes dames, mais elles ont occupé toute la route à Bakar. Toute la route. C'est très grave. Il faut aussi questionner les administrateurs de marché. Je vais quand même poser une petite question. Si un transformateur pète, moi je me demande bien, il explose. Ça laisse penser que le poteau portant ce transformateur avait peut-être à ses pieds des kiosques. C'est-à-dire le transformateur pète, les flammes donc tombent. On se représente. Le transformateur n'était pas sur le poteau. À entendre l'explication, il était dans une sorte de. C'était un bâtiment. C'est ce que je dis. Voilà. Ça veut dire que tout autour il y a. Donc c'est un abri. Donc il doit y avoir un périmètre de sécurité, une distance. C'est pourquoi je parle de la stupidité. Tu en parles profane. On doit partir de cet incendie pour faire en sorte que. Tu oublies qu'il y a les fils électriques, Talibé. Lorsque ça explose à partir du transport, donc ça atteint, donc c'est à partir des fils. Ça se répand. Ça se répand à partir des fils. Voilà. Ça veut dire que c'est en profane qu'il en parle là. Allez-y. Non, pas en profane. Allez-y. Accepte ça, mon cher. Pas en profane. Mais je suis en train de décrire une situation. Un ahuri complet. C'est que. Allez-y. D'accord. Non, je place. Allez-y. Très souvent, on constate que autour des poteaux. Et portant même des transformateurs, il y a des kiosques, il y a des bâtiments. Donc ça veut dire que dès que le transformateur pète, les flammes peuvent justement attaquer les cabinets. Pour en terminer. Talibé, pour en savoir davantage, on va attendre que les enquêtes se fassent, que l'on établisse la responsabilité des gens sur le terrain, mais aussi la responsabilité de EDG. Il ne faudrait pas qu'on tape dessus si facilement comme ça. Les enquêtes le prouveront. Est-ce que la responsabilité d'EDG est engagée ou pas? L'autre chose, je pense que le colonel l'a expliqué un peu, la question de l'effectif. Je crois qu'il y a plus d'effectifs au sein de la police que de la protection civile. Pour résorber un peu ce déficit-là, je pense que ce serait mieux de former les policiers à la protection civile. Ailleurs, ça se passe. Moi, j'ai vu, par exemple, à Kalamazoo, un état au sud des États-Unis, où les policiers sont en même temps des gens formés à la protection civile qui peuvent aussi faire ce travail-là. C'est vrai qu'au sein de la police, l'effectif est aussi il est minime, mais c'est important que ces gens-là soient aussi déployés pour des questions comme ça. Ouais. L'autre chose, je crois que c'est aussi c'est la sensibilisation. Moi, personnellement, je ne connaissais pas ce numéro vert. Imaginez combien de Guinéens savent. Mais la police ne communique pas. Oui, mais voilà, ça ne communique pas. Même. Donc, je comprends bien le colonel qui dit oui, tout le monde connaît ce numéro vert. Personne de la sécurité ne connaît ce numéro vert. Voilà, il n'y a plus de communication au ministère de la sécurité. Donc, je pense qu'il faut communiquer. Depuis que Cassé est parti de la police, c'est dommage, il n'y a plus de communication. Non, mais c'est même pas le fait. C'est la vérité. Mais Aboubakar, il n'y en a plus. Mais Aboubakar, cette communication. À la gendarmerie également, voilà, on déplore le départ du colonel Barry. Non, mais Aboubakar qui reste en prison. Qui était disponible pour la presse. Ouais, voilà. Absolument. La communication, c'est bien dommage. C'est très dommage, franchement. La communication qu'il faille faire, c'est pas de dire il y a eu tel nombre d'incendies par an ou par jour. Je pense qu'il faut plutôt amener les populations à savoir que ces numéros-là existent. Et puis, le colonel a rappelé un peu certains prérequis, comme avoir des postes avancés. Ouais. Et avoir avoir des postes avancés alors que la protection civile n'a aucun moyen. Il y a un seul camion pour toute la commune de Matoko. Imaginez cet incendie au marché de Anta, et puis on leur signale un autre incendie dans notre quartier de Matoko. Comment ils vont faire? Ils n'ont qu'un seul camion. Oui, voilà. Oui, Manu. À Boaka, à un moment, on avait eu une information selon laquelle le camion de la protection civile de l'abbé était sur cale pour une panne de 2 millions. Bien entendu, Et en ce qui concerne les numéros verts à Boaka, pour tout ce qui est secteur sensible, ils doivent passer en boucle, je vous rejoins là-dessus, en boucle sur les médias. Sur les médias. Que ce soit en bande passante ou en bande annonce assez courte, mais ça doit passer en boucle durant toute l'année. Ouais. Parce que les citoyens doivent pouvoir le voir tout le temps et l'écouter. Et malheureusement, ce dispositif de communication n'existe pas. N'existe pas du tout. Allez, la suite dans un court instant. Je me rappelle encore comme si c'était hier. Je me levais tôt espérant voir papa partir travailler. Avec sa mallette, il me tapotait toujours la tête me disant que j'étais le meilleur et il fallait que je protège maman jusqu'à son retour. Hier, Mouna Cyber en accompagna mon père avec son centre informatique. Aujourd'hui,
Comme opérateur télécom, Mouna Group Technologies s'adapte à mon temps et c'est un homme accompli et heureux que j'arrive à me surpasser dans mon milieu familial et professionnel. J'ai finalement décidé d'être le meilleur et pour ça, il faut être avec... Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée. L'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Quelques réactions collectées déjà par nos équipes très très rapidement sur cet incendie qui a ravagé une partie du marché d'Anta. Allons sur la toile pour savoir ce qu'en pensent nos concitoyens. Ibrahim Adabo qui dit ceci, ces numéros doivent être affichés partout. Tiane Sarekali Diallo, bonjour l'influenceur des médias Aboubakar et bonjour à toute l'équipe du Mirador et bonjour à mes parents de Sarekali dans Télémélé Aboubakar. Je pense que l'État doit prendre sa responsabilité. Je présente toute ma compassion aux victimes de cet incendie. C'est très triste. C'est triste, heureusement, qu'aucune n'a perdu en vie humaine. Tiane Sarekali Diallo, fidèle auditeur de FIM. Cet autre, c'est Mami Amkoulel Diallo. Dans un pays normal et sérieux, tous les endroits publics, quartiers et secteurs doivent avoir des bornes de la SEG contenant de l'eau pour le secours. Bonne journée à mes parents de Télémélé, Missidé. Séné, la cour appréciera qui réagit également à cette actualité. Qu'est-ce que vous, ces gendarmes, là, ne parlent pas français? Non, je ne comprends pas. Allez, cet autre aussi, le même qui... non, plutôt Mamoudou Cissé qui intervient et qui dit bonjour à toute l'équipe des films. EDG a une très grande responsabilité, mais la population aussi doit éviter les branchements clandestins. Al-Gassimou Diallo, bonjour. Le recteur de l'université et bonjour à tous les professeurs. Monsieur Diallo, permettez-moi de vous dire, comme Monsieur Ouri, que je suis aussi d'un triangle sacré, c'est-à-dire que je suis de Koula Maoudé, par Massi dans Pita, à Kania, la cité des agrumes. Actuellement, faites la fierté de la presse guinéenne. Allez, Lamine, voilà, je sais pas, ça bug un peu. On y va avec cet autre, Lamine Souma. Ah ouais, on y arrive. Lamine Souma qui dit ceci. Bonjour Aboubakar, toute ma compassion pour les commerçants victimes de cet incendie. C'est la preuve que nul n'est en sécurité en Guinée à cause du non-respect des normes. Écrit Lamine Souma. Maurice Libé qui enchaîne. Bonjour Aboubakar et à toute l'équipe de Mirador. La Guinée est un État souverain qui doit se doter obligatoirement des véhicules anti-incendie pour sauver les biens dans les marchés, mais aussi et surtout des vies humaines en cas de sinistre. Cet autre, c'est Darwin Nunez qui réagit aussi. Un journaliste doit s'informer avant de prendre la parole. Allez-y sur le terrain pour faire des investigations. Ouh là là, franchement, je ne comprends pas du tout. Franchement, parce qu'on a, nos équipes sur place, messieurs, s'il vous plaît. Mariama Diallo, pourquoi lui il aime comparer la Guinée aux grandes puissances? Kiorno Afia Dalen qui intervient aussi, qui dit ceci. Voilà, on va s'arrêter là-dessus pour continuer notre tour de chauffe. Bah ben. FIM FM, la force est vue lors des épreuves. Comme si c'était hier, je me levais tôt espérant voir papa partir travailler. Avec sa mallette, il me tapotait toujours la tête. Mirador, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Manu, on continue notre tour de chauffe. On a 3 minutes avant d'aller à la pause. On s'intéresse à l'eau de guette, Manu. Oui, la nouvelle, l'évolution en tout cas dans cette actualité, c'est que certains cadres qui ont été placés sous mandat de dépôt viennent aussi de bénéficier de liberté conditionnelle, de contrôle judiciaire plutôt. Ouais. Il s'agit notamment de Patrice Toupou, l'ancien secrétaire général du ministère, Ibrahima Sori Camara, ancien conseiller juridique. Ali Kondé, le directeur général du FER. Ancien directeur général du FER. Sa Yolande également, Camara, qui était directeur national de l'entretien routier. Bangali Keita, qui est assistant de l'ex-secrétaire général. Donc, il faut rappeler qu'ils ont été mis sous mandat de dépôt le 18 janvier dernier. Et ils viennent donc de bénéficier, comme je le disais tantôt, d'un placement sous contrôle judiciaire. Mais les poursuites, les charges contre eux sont maintenus pour l'instant en attendant le procès. Il s'agit de corruption d'agents publics, prise illégale d'intérêt et violation des règles de passation de marché public. Il faut rappeler qu'il y a un parmi eux qui avait déjà pris la poudre d'escampette, c'est Cheikh Ahmed Tidiane, qui était, je pense, le chef de cabinet, qui avait déjà pris la poudre d'escampette. Et à son encontre, semble-t-il, un mandat d'arrêt international
pourrait être décerné. Mais la nouveauté, c'est que les autres qui étaient sous mandat de dépôt sont sortis de prison et rejoignent ceux qui n'avaient pas été. Est-ce qu'on connaît le motif, la raison pour laquelle ils ont été sortis de prison pour être placés sous contrôle judiciaire? Pour l'instant, je n'en sais pas assez. Est-ce que le dossier se dégonfle ou est-ce qu'il y a en tout cas d'autres éléments qui expliquent? Pour l'instant, il n'y a pas, en tout cas, je ne suis pas au courant d'informations qui puissent donner détail les raisons de ce placement sous contrôle judiciaire. Évolution. Mais il faut rappeler que ça n'arrête pas la procédure judiciaire, ça n'efface pas les poursuites jusqu'à la tenue d'un procès peut-être. Bien, bah, c'est quoi ? Je pense qu'il faut encourager cela dans notre pays. Vous savez, on dénonçait il y a quelques semaines ici deux par deux mesures parce qu'il y avait, sur les neuf, il y avait quatre, je crois bien, qui avaient bénéficié d'un contrôle judiciaire et qui avaient l'obligation de se présenter, je crois, chaque lundi ou chaque jeudi devant les magistrats au niveau de la CRIEF sur ce dossier. Ouais. Donc, selon mes informations, c'est que les avocats de ces cinq qui avaient été placés sous mandat de dépôt avaient introduit donc un recours auprès de des magistrats, donc la CRIEF, pour obtenir une liberté conditionnelle, le temps pour la CRIEF de préparer le dossier afin d'aller au procès. Ce qui est encourageant, parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont dans cette situation. Les avocats ont mené, ont introduit assez de recours devant les juridictions compétentes pour obtenir Peut-être que, un contrôle judiciaire. Peut-être que la même faveur aurait été accordée à Kassouri et compagnie. Justement, c'est cela qu'il est question. Absolument, parce qu'il y a des gens aujourd'hui. Parce que si on accorde finalement, on sort Toupou et compagnie de la prison, on les met sous régime de contrôle judiciaire, pourquoi on ne ferait pas autant pour Kassouri et compagnie? Mais c'est clair, parce que Kassouri, Damaro, il y a eu des tentatives dans ce sens. Il y a eu beaucoup les avocats ont animé Founike Mengue justement, Ibrahim Adialo et Bilo, ils ont animé les avocats. Il y a beaucoup de tentatives dans ce sens. Mais absolument, les avocats ont introduit assez de recours pour obtenir notamment cette liberté sous condition, mais je pense que ce sont des demandes qui n'ont pas du tout prospéré. Et aujourd'hui, les gens sont croupis en prison attendant que la CRIEF notamment rassemble donc toutes les preuves. Bien, Akumba, pour 30 secondes, s'il te plaît. On m'accuse de ne pas respecter les écrans. Une seule question de ma part en attendant qu'on aille à la pause. Kassouri et compagnie sont en prison sous quel mandat? Sous quelle valeur légale? Sous quel mandat? Bien. Réfléchissons-en. Bien, c'est sur cette question. Donc on va marquer la pause pour revenir tout à l'heure quand il sera 9h sur notre antenne et sur l'ensemble de nos canaux digitaux pour recevoir notre invité précis du jour, Dr Makalé Traoré. Elle est facilitatrice du dialogue interguinéen et sera à notre compagnie dès 9h. On revient dans quelques minutes. Je me rappelle encore comme si c'était hier. Je me levais tôt espérant voir papa partir travailler. Avec sa mallette, il me tapotait toujours la tête me disant que j'étais le meilleur et il fallait que je protège maman jusqu'à son retour. Hier, Mouna Cyber en accompagna mon père avec son centre informatique. Aujourd'hui, comme opérateur télécom, Mouna Group Technologies s'adapte à mon temps et c'est un homme accompli et heureux que j'arrive à me surpasser dans mon milieu familial et professionnel. J'ai finalement décidé d'être le meilleur et pour ça, il faut être avec les meilleurs. Je suis le fils de mon père, je suis exactement comme lui, mais légèrement différent. Et le meilleur cadeau qu'il m'ait jamais offert était le cadeau du temps. Et je lui reste fidèle. Plus d'infos, contact@mounagroup.com. Téléphone plus 224 628 34 0101. Mouna Group Technologies, nous faisons mieux. 5 février 2022. 5 février 2023, cela fait un an, jour pour jour, que le Conseil national de la transition entrait en activité. Un an d'intenses travaux dans le cadre de l'élaboration des textes de loi, du contrôle de l'action gouvernementale, de la contribution à la réconciliation nationale et d'une diplomatie parlementaire active ayant permis à la Guinée de retrouver sa place dans le concert des nations. Pour tout savoir sur le bilan et les perspectives du CNT, rendez-vous le 5 février 2023 au Palais du Peuple pour la célébration de l'an 1 du CNT. Puis, du 7 au 9 février 2023 à Mamo, première étape d'une série de plénières qui vise à rapprocher le CNT des populations de l'intérieur du pays. À cette occasion, de nombreuses activités d'intérêt général sont prévues pour les populations de la ville Carrefour. Présidente de Parlement de pays frères et amis à la Guinée,
président d'institutions interparlementaires, membre du CNRD, le premier ministre, chef du gouvernement, président d'institutions républicaines, les responsables des départements ministériels, chefs des missions diplomatiques et consulaires accrédités en Guinée, élus locaux, représentants des confessions religieuses, organisations de la société civile, partis politiques sont tous attendus à la célébration de l'an 1 de l'organe législatif de la transition. Le Conseil national de la transition, toujours engagé à servir le vaillant peuple de Guinée en toute responsabilité, intégrité et impartialité.
sur FIM FM. Première sur l'info. FIM FM, la tour iconique de l'information en Guinée, en Afrique et ailleurs dans le monde. Surf de l'actu. Et mes auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce surf de l'actu. Délocalisé dans la ville de Mamoun pour rendre hommage à l'ancien président de l'Assemblée nationale, Elhadji Aboubakar Biro Diallo, sous le régime de feu Lansana Conté, la plénière du Conseil national de transition s'est tenue à la Maison des Jeunes de Mamoun ce mercredi en présence des autorités communales, préfectorales et régionales. Une plénière qui a aussi connu la présence de 61 conseillers nationaux sur 81. 13 se sont excusés et des absences sans motif lors de cette plénière. Il était question de ratifier 3 accords et conventions entre la République de Guinée et certains de ses partenaires, à savoir l'acte additionnel à l'accord de coopération portant création du Centre ouest-africain de recherche et de services scientifiques sur le changement du climat et l'utilisation adaptée des terres, adopté par le premier conseil des ministres du Ouascal à Lomé le 10 février 2012, les conventions pour le financement des investissements et la structuration de l'aval de la filière de gestion des déchets solides de Conakry, signées respectivement le 25 juillet et 17 novembre 2022 entre l'Agence française de développement et la République de Guinée. Il est prévu 50 millions d'euros pour la première convention et 20 millions d'euros pour la seconde. Et le dernier étant le protocole d'accord de projet de production alimentaire d'urgence entre la République de Guinée et le Fonds africain de développement, signé le 30 novembre 2022 pour un montant de 9 980 000 unités de compte. Sur le continent, le mouvement national pour la libération de l'Azawad, le mouvement arabe de l'Azawad et le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad, 3 groupes armés ont fusionné ce mercredi à Kidal, ville malienne du nord-est qu'ils contrôlent militairement depuis 2013. Politiquement et militairement, ils composent désormais une seule entité. Concrètement, la nouvelle direction des ex-rebelles du Nord devrait avoir plus de poids face au gouvernement malien et sur le terrain, les actions militaires devraient être mieux coordonnées. Les membres de la nouvelle alliance ont suspendu il y a quelques mois leur participation aux instances de décision de l'accord de paix d'Alger, accusant l'État malien de faire dos à l'accord. Ailleurs dans le monde, le bilan du séisme qui a frappé lundi la Turquie et la Syrie a franchi le seuil des 16 000 morts selon des bilans officiels diffusés jeudi, alors que les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver des rescapés dans un froid glacial. Quelques 12 873 personnes sont décédées en Turquie et 3162 en Syrie, selon les autorités et des sources médicales, portant à 16 035 le nombre total de victimes. Et voilà, c'est la fin de ce surf de l'actu. À tous, merci de votre attention. Mirador se poursuit. FIM FM Guinée, 80. Je me rappelle encore comme si c'était hier. Je me levais tôt espérant voir papa partir travailler. Avec sa mallette, il me tapotait toujours la tête me disant que j'étais le meilleur et il fallait que je protège maman jusqu'à son retour. Hier, Mouna Cyber en accompagna mon père avec son centre informatique. Aujourd'hui, comme opérateur télécom, Mouna Group Technologies s'adapte à mon temps et c'est un homme accompli et heureux que j'arrive à me surpasser dans mon milieu familial et professionnel. J'ai finalement décidé d'être le meilleur et pour ça, il faut être avec les meilleurs. Je suis le fils de mon père, je suis exactement comme lui, mais légèrement différent. Mais le meilleur cadeau qu'il m'ait jamais offert était le cadeau du temps et je lui reste fidèle. Plus d'infos, contact @mounagroup.com. Téléphone plus 224 628 34 0101. Mouna Group Technologies, nous faisons mieux. 5 février 2022. 5 février 2023. Cela fait un an, jour pour jour, que le Conseil national de la transition entrait en activité.
un an d'intenses travaux dans le cadre de l'élaboration des textes de loi, du contrôle de l'action gouvernementale, de la contribution à la réconciliation nationale et d'une diplomatie parlementaire active ayant permis à la Guinée de retrouver sa place dans le concert des nations. Pour tout savoir sur le bilan et les perspectives du CNT, rendez-vous le 5 février 2023 au Palais du Peuple pour la célébration de l'an 1 du CNT. Puis, du 7 au 9 février 2023 à Mamo, première étape d'une série de plénières qui vise à rapprocher le CNT des populations de l'intérieur du pays. À cette occasion, de nombreuses activités d'intérêt. Mirador, la tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. Merci de nous rejoindre dans la seconde partie de Mirador. Nous sommes ensemble encore pour deux heures durant lesquelles nous allons recevoir ici en plateau Dr Makale Traoré. Elle est facilitatrice du cadre de dialogue inclusif interguinéen. Elle va nous rejoindre d'un moment à l'autre sur ce plateau. Et puis, dans la troisième partie, nous partirons du côté des États-Unis, à Atlanta précisément, d'où nous attend M. Alpha Kolabaldé, président du parti MAD et de la coalition Guinée Gagnante. Tous les deux donc vont s'exprimer chez Mirador ce matin. Avant de relancer la machine, quelques réactions encore collectées par nos équipes. On y va sur la toile avec Bananfra Bré Koulibaly. Bonjour Titi à tous et à tous les rouages de la saison Barracuda. Il est inacceptable et inadmissible que DG continue d'appauvrir les citoyens qui ont longtemps souffert d'avoir un fonds de commerce et qu'un seul matin, par le travail de fantaisie et non un professionnel, vous mettez le compteur à zéro. Voilà, on essaie de reformuler tout cela. Bolokada Tourama, bonjour le légionnaire des journalistes, M. Aboubacar Diallo et à toute l'équipe du jour. Je partage ce matin la douleur des victimes de cet incendie au Grand Marché d'Anta, un incendie causé par la mauvaise installation DDG. Vraiment, cette société d'électricité est devenue un véritable problème pour les consommateurs d'électricité. Dans notre pays, nous demandons à Kefimba de venir au secours des victimes de cet événement malheureux. Tidiane Barry de Kobaya, bonjour le commandant en force armée et le premier magistrat du système médiatique de la Guinée. Merci, c'est Tidiane Barry de Kobaya, membre de la plateforme des auditeurs de Fume FM Guinée, le roi de la basse-côte, Aboubacar. Toute personne qui veut stopper cette refondation en cours est un ennemi de la Guinée, dites au FNDC. Pour le moment, on n'a pas une constitution à défendre. Nous avons une transition à gérer présentement. Donc, qu'il se calme et on demandera la libération de tous les détenus politiques sans distinction. Écrit Tidiane Barry de Kobaya. Chancelier Doué Diallo sur la sélection proposée par Ibrahim Assila. Bonjour Mirador, je regrette ce qui est arrivé au marché d'Anta. Toute ma compassion. Voilà pourquoi il faut libérer les emprises. Le coordinateur régional de la protection civile a dit clairement qu'ils ont des difficultés à avoir accès à l'intérieur du marché, que les citoyens prennent conscience. Chancelier Doué Diallo, membre de la cellule de communication du gouvernement. Moussa Sekou Kamara qui réagit également. Mon pays fait vraiment pitié. J'habite la France, exactement à Nice, et tout près d'une caserne de pompiers. D'après le décompte de Houri, ils sont mieux équipés que toute la Guinée réunie. Il y en a 4 ou 5 casernes dans la ville. Imaginez le retard. Ibrahim Andanta Bak qui enchaîne. Bon, sur YouTube cette fois-ci. Bonjour le juste, le 10 des médias en Guinée, merci. Bonjour à Bantignel, chez Mista Oulé. Toutes mes pensées, je crois, aux victimes de cet énième incendie au marché d'Anta. Mes salutations à Fonique Mengue et toute sa bande. Allez, Sampoli Afode, Bangali Fofana. Bonjour à Aboubacar, bonjour à Bissikrima et bonjour à ma préfecture d'Abola. Aboubacar, nous invitons tous les acteurs de la politique d'accepter le dialogue, car sans le dialogue, il n'y aura aucun processus de développement. Le recours à la rue n'est pas une solution, s'il vous plaît. Accompagnons ce lion noir pour sa vision éclairée. Signé Sampolia Fode Bangali Fofana. Tribun Frislo qui réagit, fidèle au poste. Bonjour Mirador. Notre pays continue à être dans une situation d'illégalité institutionnelle avec cette transition. Le CNRD, dont les membres restent inconnus et refusent de déclarer leurs biens.
plus d'un an de transition. Aucun Guinéen ne sait de façon officielle où commence la transition et où finit la même transition. Sirajo Sunkin Diallo, le tout dernier sur la proposition de la sélection proposée par Ibrahima Sylla. Sirajo Sunkin Diallo, bonjour Mirador, bonjour à Broual Sunkin. Du courage aux commerçants d'Antamarché, monsieur Aboubakar. Actuellement, en Guinée, rien ne correspond à la réalité du pays. Nous ne sommes ni en démocratie, ni en transition, ni en refondation. Nous sommes en confiscation, écrit Sirajo Sunkin Diallo de Club Dunkin pour l'émergence de Broual Sunkin. Allez, d'autres réactions, on va y aller avec pour le taureau Lissan. Bonjour Aboubakar, le père de la saison Barracuda, également chef d'état-major des médias. Et bonjour au général Mohamed Baldé depuis Canada. C'est avec bien sûr le bon message. C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris ce matin l'incendie de certaines boutiques du marché d'Anta. Je sais à quel point il est difficile de reconstruire après une telle tragédie. Mes pensées et mon soutien vous accompagnent en ces moments difficiles. Écrit pour le taureau Lissan. Allez, cet autre aussi qui réagit ce matin sur d'autres canaux, Djambouria depuis Matoto. Mon cher ami Aboubakar, commandant du régiment de la presse guinéenne, bonjour, je salue toute l'équipe, que Dieu vous protège. C'est dommage pour EDG, le pays là est malade, vraiment que Dieu nous aide beaucoup, sincèrement, c'est dommage. Merci Djambouria. On y va avec l'excellent photographe qui réagit également ce matin, Gabi, qui dit ceci. Bonjour Aboubakar, bonjour à toute l'équipe de Mirador Barracuda. Conseil à ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Hier, c'était d'autres. Aujourd'hui, c'est eux. Demain, il y aura d'autres. Nous avons vu des dirigeants qui étaient trop puissants, qui sont partis et laissaient leur pays. Qu'ils sachent que tout ça va passer. Ceux qui ont fait du bien seront à l'aise. Ceux qui ont fait du mal le regretteront. On ne gouverne pas un pays par l'arrogance. Écrit Gabi. Allez, on continue encore pour une minute avec Mohamed Douti Condé. Bonjour Rodolfo, bonjour à toute l'équipe Aboubakar. Toute ma compassion aux commerçants du marché d'Anta et je lance un appel au ministère du MATD d'accélérer le déguerpissement des emprises. Et voilà, conseil Mohamed Douti, Mohamed Fofana. Bonjour Mirador, Doncas et ses co-détenus sont en prison au nom de la haine du Fadéa, du Nyangboya, la volonté de régler des comptes et de l'envie de les humilier. Le CNRD veut surtout cracher sur les droits politiques et civique et de nos leaders. C'est ma réponse à la question de Akumba Diallo. Le tout dernier, avant de continuer cette émission, c'est bien le sultan de Wassolon qui nous écrit encore ce matin, qui dit ceci. Bonjour le Baobab de Wassolon, bonjour à mon Sédakoro natal dans la sous-préfecture de Baro. Je vous jure que cette justice est terriblement téléguidée par le Palais 5 avec son ministre Biberon, sans quoi la boussole en tant que telle n'est jamais sélective dans ses rapports. À quoi sert ce ministre? Comme son nom l'indique, si les droits des citoyens sont violés au sein même du dit ministère, pour preuve, le ministre vient de rentrer d'une tournée, il n'a pas manqué de violer le droit des citoyens partout où il est passé. Bon sang de Dieu, sultan de Wassolo. La suite, Babin. Je me rappelle encore comme si c'était hier. Je me levais tôt espérant voir papa partir travailler. Avec sa mallette, il me tapotait toujours la tête me disant que j'étais le meilleur et il fallait que je protège maman jusqu'à son retour. Hier, Mouna Cyber en accompagna mon père avec son centre informatique. Aujourd'hui, Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée. L'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari. On va continuer de dérouler notre schéma Kumba en attendant Dr Makale Traoré qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre sur ce plateau. On parle de la CRIEF ce matin avec cette interrogation. S'achemine-t-on vers un mandat d'arrêt contre l'ex-vice-président de la Cour constitutionnelle? Aboubakar, une procédure judiciaire contre des anciens membres de la Cour constitutionnelle est pendante devant la Cour de répression des infractions économiques et financières. Et d'ailleurs, le président de cette Cour constitutionnelle, ou l'ancien président, est en détention à la maison centrale. Il s'agit du professeur Mohamed Lamine Bangoura. Celui-ci est en détention. Certains de ses collaborateurs aussi sont sur la liste des personnalités poursuivies, ouais, dont M. Amadou Diallo.
Monsieur Amadou Diallo étant inaccessible pour les instructeurs de la Cour de répression des infractions économiques et financières, si cela continuait, cette inaccessibilité, il se pourrait qu'il y ait un mandat d'arrêt contre Monsieur Amadou Diallo, parce que la dernière opération à jour, c'est la saisie de certains de ses biens du côté de la commune de Matoto. En tout cas, c'est ce que nous rapporte plusieurs de nos confrères dans les médias. Alors, ça chemine-t-on vers l'émission des mandats d'arrêt international contre M. Amadou Diallo, ancien de la Cour constitutionnelle, s'il ne répondait pas aux différentes convocations de juges instructeurs de juges d'instruction de la CRIEF? Certainement, ça pourrait être oui, qu'il pourrait y avoir un mandat d'arrêt international contre lui. Mais s'il répondait, certainement, ça va changer la donne. Monsieur Abakar. Bien dit. Allez-y, cabinet là-dessus, cette possible émission, la possible émission des mandats d'arrêt contre l'ancien vice-président de la Cour constitutionnelle. Non, je pense que ce sera en droite ligne de la procédure engagée aujourd'hui par le CNRD qui consiste donc à faire un peu l'état des lieux en termes de prévarication. Et à traquer tous les bandits à col blanc. Oui, où qu'ils soient, parce que vous savez, la crainte de la plupart de ceux qui travaillent un peu sur des cours de ce type-là, c'est un peu le dos poids deux mesures. Le dos poids deux mesures et la possibilité que la Cour peut s'offrir à être égale d'un point de vue procédural, mais aussi de faire en sorte qu'elle ait les moyens de pouvoir aujourd'hui aller au bout en fait de ce travail-là et de rassurer davantage et éviter que cette Cour soit plutôt perçue comme un instrument de règlement de compte, mais aussi un instrument politique, parce que les cours de ce genre sont hautement politiques. Ça, c'est pas un cas spécifique à la Guinée. Et il faut éviter dans la démarche et dans la façon de faire que cela soit vu à bout de champ dans la façon de faire de la Cour. Je pense que la Cour constitutionnelle, qui est quand même une des institutions les plus importantes, si à ce niveau-là, des gens sont reprochés d'avoir pioché dans les fonds publics, il y a bien évidemment une leçon à tirer, à savoir effectivement ce qui s'est passé. Et bien, je pense que c'est là où il faudra que la CRIEF se bouge. Merci, efficacement. Merci, oui. Talibé, prends terminé. Il faut rappeler que dans ce dossier de la Cour constitutionnelle, l'ancien DAF de cette Cour constitutionnelle avait été déjà jugé et condamné. Par contumace pour une affaire de plus de 10 milliards découverte dans son compte personnel. Et l'arrestation du président de la Cour constitutionnelle forcément va à conduire à d'autres membres de cette institution. C'est ce qui est en train de se passer concernant le vice-président de cette Cour constitutionnelle. Parce qu'à Boakar, quand on parle de cette Cour constitutionnelle, elle a quand même tenu en haleine et s'est illustrée par notamment l'affaire Feu Kelle Fassal. On a vu comment il a été éjecté de cette Cour. Et finalement... Finalement, c'est aussi elle qui a donné le quitus au changement constitutionnel. Au changement constitutionnel et qui a validé les résultats du fameux troisième mandat. Et Aboubakar. Donc, c'est une Cour qui a fait tant de mal à la Guinée. Oui, mais Aboubakar, la question à se poser, tous les biens qu'on prête au président de la Cour constitutionnelle, d'où est venu cet argent? Est-ce que c'est de l'argent pioché dans le budget de la Cour constitutionnelle ou de l'argent issu de dessous, de possibles, d'éventuels dessous de table, justement, pour faire passer la pilule de la nouvelle constitution ou du troisième. C'est des questions à se poser. Bien entendu. Parce qu'à Bakar, on n'est pas merci dans les secrets bien de l'institution. Oui, on va revenir plus en profondeur sur ce sujet et pourquoi pas dans le numéro de demain. Et pour l'instant, donc, dans un court instant plus tôt, on va recevoir notre invité précise qui est déjà dans nos locaux, Dr Makale Traoré, avec nous ici en plateau, dans un court instant. Je me rappelle encore comme si c'était hier. Je me levais tôt espérant voir papa partir travailler. Avec sa mallette, il me tapotait toujours la tête me disant que j'étais le meilleur et il fallait que je protège maman jusqu'à son retour. Hier, Mouna Cyber en accompagna mon père avec son centre informatique. Aujourd'hui, comme opérateur télécom, Mouna Group Technologies s'adapte à mon temps et c'est un homme accompli et heureux.
que j'arrive à me surpasser dans mon milieu familial et professionnel. J'ai finalement décidé d'être le meilleur et pour ça, il faut être avec les meilleurs. Je suis le fils de mon père, je suis exactement comme lui, mais légèrement différent. Et le meilleur cadeau qu'il m'ait jamais offert était le cadeau du temps. Et je lui reste fidèle. Plus d'infos, contact @mounagroup.com. Téléphone plus 224 628 34 0101. Mouna Group Technologies, nous faisons mieux. 5 février 2022. 5 février 2023. Cela fait un an, jour pour jour, que le Conseil national. Je me rappelle encore comme si c'était hier. Je me levais tôt espérant voir papa partir travailler. Avec sa mallette, il me tapotait toujours la tête me disant que j'étais le meilleur et il fallait que je protège maman jusqu'à son retour. Hier, Mouna Cyber en accompagnant mon père avec son centre informatique. Aujourd'hui, comme opérateur télécom, Mouna Group Technologies s'adapte à mon temps et c'est un homme accompli et heureux que j'arrive à me surpasser dans mon milieu familial et professionnel. J'ai finalement décidé d'être le meilleur et pour ça, il faut être avec les meilleurs. Je suis le fils de mon père, je suis exactement comme lui, mais légèrement différent. Et le meilleur cadeau qu'il m'ait jamais offert était le cadeau du temps. Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée. L'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. Quelques réactions de nouveau avant de continuer cette émission. Mohamed Kondé de Lambani, bonjour Aboubacar. C'est clair pour tout le monde que cette QF est non seulement civile, mais surtout téléguidée. Les Guinéens savent qu'il y a eu des malversations dans l'administration, mais c'est pur dans l'armée, c'est pire dans l'armée et les services de sécurité. Malheureusement, la presse n'en parle pas. Et voilà Mohamed qui nous envoie ce message depuis Lambani. Amadou Diallo serait au Maroc, il ne faut pas. Bien, allez, si le message est passé, en tout cas, c'est une source venue de la presse qui nous l'apprend, qui nous apprend que l'ancien vice-président de la Cour constitutionnelle serait du côté du Maroc. Allez, c'est autre excellence Konaté. Bonjour Titi et à toute l'équipe. Je suis choqué et attristé d'entendre un incendie ravageur au marché d'Anta. J'exprime toute ma compassion aux victimes. Je dirais que l'État est entièrement responsable, écrit Konaté. Allez, c'est autre aussi qui nous écrit ce matin, Abdou Karim Moulouba. Bonjour mon cher Aboubacar, le vrai turbo, c'est Abdou Karim Moulouba. Le général, notre grand marché Anta a été victime d'un incendie grave qui a ravagé beaucoup de magasins et de conteneurs. Il y a eu beaucoup de pertes matérielles, mais heureusement, il n'y a pas eu de pertes en vie humaine. Mention spéciale à tous les jeunes commerçants du marché et les services de sécurité, particulièrement le maire de la commune, Abdou Karim Moulouba, qui nous envoie ce message. Cet autre, c'est Souleymane Poutine depuis Kiroti. Bonjour, Kotouri. Bonjour à toute l'équipe de Mirador. EDG doit en payer l'entière responsabilité pour ce type d'incendie et doit obligatoirement rembourser l'ensemble des victimes sans exception. Il faut que cette fameuse entité arrête d'appauvrir ses propres concitoyens par faute de laxisme ou d'amateurisme de ses agents sur le terrain. Souleymane Poutine depuis Kiroti. Allez, cet autre qui nous écrit également, c'est Gian Madina Sanoya, membre de la plateforme des auditeurs de films. Bonjour Aboubacar, à toute l'équipe. Je suis très heureux de constater que sous votre leadership, la 95.3 continue de s'imposer dans la sphère médiatique en République de Guinée, surtout avec un débat de haut niveau et des chroniqueurs hors pair. Maintenez ce cap car tout bon Guinéen est fier de vous. Film signé Gian Madina de Sanoya. Voilà le temps de procéder à des réglages. On y va avec notre ami Isaga de Grand Film FM de Matoto Déviation. Bonjour les chroniqueurs, monsieur Diallo. Nous sommes trop inquiets par rapport à l'insécurité galopante. Le Grand Film FM de Matoto Déviation présente ses condoléances à la famille biologique de M. Barry Souleymane, froidement assassiné dans son pâturage à Mamou, et que son âme repose en paix. Allez, un dernier avant de continuer cette émission avec un autre invité à présent, Ali Moussatina, qui nous dit ceci. Bonjour le commandant du régiment des médias en Guinée et à toute l'équipe. Toute ma compassion aux commerçants de Anta, de passage. Voilà, tu es bien habillé ce matin, comme toujours d'ailleurs. Merci mon cher. Le tout dernier, voilà,
bien entendu, c'est Ousmane Tunkara. Merci Ousmane. Samba, notre confrère qui nous écrit. Bonjour Fim, le service de la protection civile doit revoir le cas du numéro 18. Il est généralement éteint. Nous avons été victimes d'incendie il y a quelques mois. Il a fallu chercher les numéros des responsables des sapeurs-pompiers pour limiter les dégâts. Samba So qui nous envoie ce message. Dans un instant, la parole à Dr Makali. Je me rappelle encore comme si c'était hier. Je me levais tôt espérant voir papa partir travailler. Avec sa mallette, il me tapotait toujours la tête me disant que j'étais le meilleur et il fallait que je protège maman jusqu'à son retour. Hier, Mouna Cyber en accompagna mon père avec son centre informatique. Aujourd'hui, comme opérateur télécom, Mouna Group Technologies s'adapte à mon temps et c'est un homme accompli et heureux que j'arrive à me surpasser dans mon milieu familial et professionnel. J'ai finalement décidé d'être le meilleur et pour ça, il faut être avec les... FIM FM, Mirador, Parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche est bannie. Mirador, ici, la parole est directe. La parole est forcément directe avec elle, comme à son habitude. Elle va répondre à nos questions sans détour. Elle, c'est Dr Makali Traoré, facilitatrice du cadre de dialogue inclusif interguinéen. Elle est notre invitée précise du jour. Bonjour docteur, bienvenue. Je crois que son micro n'est pas activé. Bonjour docteur. Bonjour et très content d'être souci, avec vous. Bien. Je crois qu'il y a un souci avec son micro ce matin. Voilà. Alors, on va essayer de. Voilà. Je pense que ça c'est passe bon. Mieux. Voilà. Alors je disais bonjour et que j'étais bienvenue. Très heureuse d'être tout là. Tout le plaisir, docteur. Tout merci. Le plaisir de vous recevoir à nouveau. En tout cas, pour la première fois au compte de cette saison, Barracuda. Pour ouvrir cette interview avec vous, Talibé Barré. Docteur, on va parler dans un premier temps des Assises nationales dont vous êtes, ou vous étiez, en tout cas, vous êtes membre du comité. Porte-parole voilà, de ces assises. Alors, à l'heure actuelle, où en est-on de la mise en place, de la mise en exécution des recommandations ici de ces assises nationales? Merci beaucoup, très heureuse d'être là. Et même si le mois de janvier est passé, vraiment, je vous souhaite une très belle année. Merci. À l'image de l'année passée et même mieux. Merci, docteur. Et mes pensées vraiment aux commerçants ce matin du marché de Anta, aux femmes qui se battent au quotidien pour nourrir, entretenir les familles. Sur les assises, vous vous souvenez que ces assises ont été lancées au mois de mars 2022. Ouais. Et qu'à leur lancement, beaucoup n'y croyaient pas. Une équipe a été mise en place. Une commission technique, un comité de pilotage qui a travaillé à préparer ces assises. Ouais. Au bout, 86 249 Guinéens ont été touchés. Et en Guinée et à l'extérieur. Et au bout, nous avons enregistré 4 796 déclarations. D'où nous avons pu sortir 45 recommandations. Sur les 45 recommandations, vous avez 7 qui étaient des recommandations urgentes. Alors, ces recommandations sont les suivantes. La première, c'était une trêve au déguerpissement. Pour une trêve hivernale. Et vous avez vu que tout de suite, il y a eu la trêve pendant l'hivernage et qu'on a pu arrêter de déguerpir. Les gens, un déguerpissement qui a soulevé vraiment beaucoup d'émoi, ouais. À juste titre, et sur lequel je me suis exprimée sur ce plateau. Ouais. Vous aviez également la régularisation de la situation des personnes mises à la retraite par erreur. Et là aussi, vous avez dû constater qu'il y a une évolution, parce que le ministre de la fonction publique, sur instruction du chef du gouvernement, a tout de suite entamer un travail de correction, ouais. Qui est en cours et que nous suivons pour que cela aboutisse rapidement parce que cela cause beaucoup de mal dans les familles. Ouais. Et puis, vous aviez comme recommandation urgente le remboursement des femmes qui ont fait des avances dans les MIFA et les MC2. Ouais. Vous vous souvenez, c'était une très belle campagne. Il y en a qui en ont bénéficié, mais il y a beaucoup de femmes modestes
qui ont fait des apports et qui n'ont pas eu de prêt. Et donc, pendant la tournée, nous avons enregistré un peu partout sur le territoire des réclamations par rapport à cela. Nous avons estimé que vraiment, ces femmes étaient en souffrance et qu'il fallait le mettre en recommandation urgente. Et là aussi, aujourd'hui, instruction est donnée au gouverneur de la Banque centrale pour faire le point afin que ces femmes soient remboursées. Ouais. Vous avez également... Est-ce qu'il y a des avancées sur cette recommandation? Tout à fait. D'accord. Et c'est en cours de vérification. C'est-à-dire, la liste est là, mais il faut bien vérifier et sortir de cette longue liste celles qui, effectivement, ont droit à ces remboursements. Bien. Vous avez également la situation des travailleurs des entités dont on a bloqué les comptes. Oui. Là aussi, ça faisait partie des recommandations urgentes. Et là également, vous avez vers la fin de l'année, vous avez vu que ces comptes ont été débloqués et progressivement, à l'exception de quelques entités comme la CENI, qui sont dans une situation un peu particulière. Ouais. Vraiment, ça aussi, ça a été levé. Et puis, la mise en place du comité de suivi. Ça, on y tenait. Parce que souvent, vous savez, les recommandations dorment dans les tiroirs. Ouais. Mais je vais vous assurer qu'en ce qui concerne les assises, nous sommes à pied d'œuvre pour que ce ne soit pas le cas. Même si le comité de pilotage et le comité de suivi n'ont pas encore été mis en place. Si, c'est mis en place. Et depuis ? Ah oui, depuis le mois dernier. Très bien. Ah oui, le comité de pilotage a été mis en place. Voilà, ça nous a échappé, seulement le comité de pilotage a été mis en place, la commission technique a été mise. Non, le comité de suivi. Non, ça dit dans le comité de suivi, il y a le comité de pilotage et il y a la commission technique. Très bien. Les deux sont mises en place. La commission technique a fait un travail. Opérationnelle finalement. La commission technique a travaillé tout le mois de janvier. Et nous avons commencé la formation de ceux qui vont aller en vulgarisation à partir de demain. Ouais. Vous savez, tant qu'on ne tient pas une chose en Guinée, parce qu'on sait que nous bavardons beaucoup, tant qu'on ne tient pas quelque chose, en tout cas moi qui suis porte-parole, je ne viens pas sur les médias pour annoncer. Ouais. C'est demain que le départ de toutes les équipes dans les 33 préfectures est finalement prévu. Ouais. Et vous avez 33 équipes pour les préfectures et 6 équipes pour les communes de Conakry. Et tout est prêt, la logistique pour la vulgarisation. Mais j'aimerais quand même finir sur les recommandations. Allez-y, docteur. Ouais. Il était prévu que vraiment le dialogue devienne le mode de règlement des conflits en Guinée. Très bien. Et ceci était très important pour nous. Et cette recommandation ne faisait pas partie des 7, mais faisait partie des recommandations à court terme. Nous avons pensé qu'au bout d'un an, il fallait que ce dialogue soit ouvert et je pense que nous en parlerons suffisamment tout à l'heure. Ouais. Et puis, la dernière recommandation urgente, c'était vraiment le rapport final soit vulgarisé et c'est ce qui va commencer, à partir d'après-demain. Bien. Docteur Makale, donc sur ces recommandations et leur mise en œuvre, donc c'est après le processus de vulgarisation que vous allez travailler concrètement à la mise en œuvre de ces recommandations. La mise en œuvre a commencé. Les 45 moins 7. Non, mais 7, c'est déjà beaucoup. Ça, c'était des recommandations urgentes. Et il y en a une qui est en cours et qui concerne les personnes qui ont souffert des manifestations, qui souffrent de maladies, de blessures qui doivent être pris en charge. Vous savez, dans notre pays, on ne croit pas en grand-chose. C'est un peu ce que je veux regretter ce matin. Quand on a parlé des assises, les gens n'y croyaient pas. Non, c'est encore des assemblées qui vont réunir les Guinéens. Et au début, les gens ne venaient pas. Si vous prenez aujourd'hui les personnes qui doivent être prises en charge au niveau médical, il y en a 28. Or, nous savons que dans notre pays, il y a beaucoup plus de victimes des violations des droits humains que ces 28. Ouais. Mais on fait avec ce qu'on a. Les 28 sont répertoriés et vont être pris en charge. Ceux qui ne pourront pas être pris en charge en Guinée seront évacués. Donc, il y a vraiment des avancées. Et puis, vous avez quand même le procès. Vous permettez, oui, allez-y. Vous avez le procès du 28 septembre. Personne n'y croyait. Et nous, dans cette équipe technique, nous avons tous les jours rabâché qu'il faut que
vraiment ce procès ait lieu pour montrer que c'est possible. Et aujourd'hui, nous y sommes. Je pense que c'est à saluer. Il reste d'autres recommandations qui concernent justement les réformes institutionnelles. Il y en a 22. Elles sont importantes. Il y a des recommandations qui portent sur la vérité historique. Ouais. L'écriture de notre histoire est importante. C'est une recommandation forte. Ouais. La vérité historique pour que des stèles puissent être... Vous savez, l'action mémorielle est importante dans notre pays. Nos enfants ne connaissent plus notre histoire. Ouais. Et ça, par exemple, c'est extrêmement important, mais ça ne pouvait pas se faire de façon urgente. Une commission qui doit être mise en place pour écrire l'histoire générale de la Guinée. Chacun la raconte. Une commission vérité et réconciliation ? Il y a une commission vérité et réconciliation. Donc, vous voyez, il y a un ensemble de recommandations. Il y a des urgentes, il y a à court terme, il y en a à moyen terme et il y en a à long terme. Et c'est pour ça que le comité technique, qui ne doit pas baisser la garde, que ce soit avec la transition ou après la transition, qui ne doit pas baisser la garde pour que vraiment il y ait des avancées par rapport à tout ce que les Guinéens ont déclaré et qui est venu vraiment du tréfonds des uns et des autres. Bien dit. Oui, Bassekou. Oui, on va aller sur le FNDC qui annonce la reprise de ces manifestations de rue à partir du 16 février. À date, est-ce que le CNRD, le gouvernement, doit-il... C'est le jeudi prochain déjà. Voilà, le jeudi prochain. Dans une semaine, exactement. Est-ce que cette manifestation est-elle nécessaire ou pas ? Est-elle l'opportunité ? Ma position est très difficile. Et j'en ai conscience. Ouais. Je suis facilitatrice. Effectivement. Ouais. Donc, un facilitateur ne parle pas beaucoup. Il agit. Mmh. Et pour qu'une médiation réussisse, il faut le faire en secret. C'est la première chose qui nous est recommandée dans les formations pour la médiation. Je pense que... Vous avez le sentiment d'être soutenu, d'être réellement soutenu. Oui. Sinon, je serais parti. Autrement, est-ce que vous avez le sentiment que votre discours passe auprès des autorités actuelles? Écoutez, je ne parle pas de discours, j'aimerais parler d'actes. Ou de messages. Lorsque nous avons fini le dialogue, on va largement en parler. Tout à fait. Nous avons fait des résolutions, proposé des résolutions. Mais nous avons voulu aller au-delà et que cela soit un accord entre le pouvoir et les acteurs qui étaient là. C'est pour ça que nous avons exigé une signature solennelle en présence du président de la transition. Et cela s'est fait. Et nous avons demandé que le comité de suivi soit mis en place 6 jours après la remise du rapport final. Le décret de mise en place du comité permanent de suivi de la mise en œuvre des résolutions a été pris. Et le Premier ministre a été responsabilité pour prendre les arrêtés pour la déclinaison des éléments du décret. Et aujourd'hui, vous avez un comité technique qui est mis en place et qui travaille sur la mise en œuvre. J'en parlerai tout à l'heure. Vous avez un comité de pilotage. Et quelle est la troisième étape de notre démarche? C'est de faire en sorte qu'il y ait un lien entre le suivi du cadre des résolutions du cadre de dialogue et le suivi des accords avec la CEDEAO. Ceci est très important. Ouais. C'est-à-dire que le comité permanent qui est mis en place et qui comporte les représentants du CNRD, du gouvernement, des coalitions politiques, des fêtières et des personnes ressources, qu'ils soient représentés dans le comité de suivi des accords avec la CEDEAO. Je pense que ça, ce sera une grande avancée. Et c'est pour cela que nous avons écrit à nos compatriotes qui hésitent encore. C'était le 13 janvier dernier. Ouais. Ouais, le ministre Ousmane Gawal le rappelait ici. Voilà, le 13 janvier dernier, pour leur demander de venir d'examiner les résolutions qui, quand même, a permis de travailler sur les préoccupations des Guinéens et de venir participer au suivi de la mise en œuvre des résolutions. C'est important. Oui, ça veut dire
Ça veut dire, docteur, si on suit votre démarche, si on se met dans l'esprit de ce courrier, ça veut dire que vous leur demandez tout simplement d'abandonner toute idée d'une autre session de dialogue et de prendre le train en marche. Ce n'est pas mon rôle. Non, non. C'est pas mon rôle de dire d'abandonner. Vous savez, en politique, je pense qu'on fait avec la raison. On ne fait pas avec l'émotion. Avec la réalité. On ne fait pas avec l'émotion. Prenez ce que vous avez et cherchez ce que vous voulez. C'est ce que je leur dis. Si aujourd'hui, il y a la possibilité de participer au suivi de la mise en œuvre des résolutions qui portent quand même sur 5 points important. Oui. Vous avez le recensement, vous avez l'organe de gestion, vous avez la constitution, vous avez le suivi pour accélérer la justice qui concerne le lien entre l'exercice des libertés de liberté publique et la loi et le lien avec le judiciaire qui concerne tout le monde aujourd'hui. Vous n'avez pas participé au dialogue, mais vous constatez que le dialogue a pris en compte ces éléments-là. Venez pour suivre la façon dont cela va être mis en œuvre. C'est important. En attendant d'avoir le dialogue que vous voulez, prenez le dialogue qui est là. C'est ce message qui ne passe pas pour l'instant. Parce qu'il ne passe pas du tout du côté du quatuor. Il ne se retrouve pas notamment dans le travail qui a été fait. Parce qu'il motive justement la reprise, par exemple, de ces manifestations par le fait que les arrestations arbitraires se poursuivent sur le terrain. Il se demande à ce que la liste nominative des membres du CNRD soit publiée. Donc autant de points aujourd'hui, selon eux, qui n'ont pas été pris en compte par ce dialogue qui se veut inclusif. J'ai dit tout à l'heure que moi, je ne dirais pas qu'il n'y aura pas un autre dialogue et qu'ils n'ont pas raison de demander un autre dialogue. Je dis simplement, celui qui s'est fait, qui regarde là-dedans, on parle du fichier. Vous savez, le comité technique a mis en place 5 équipes de 5 personnes. Et chaque équipe suit un ensemble de résolution, résumé, vous savez, dans l'un des 5 points des résolutions. Et qui vont être postés toute l'année, qui vont suivre et une fois par mois vont faire un rapport que nous allons porter au comité de pilotage du comité permanent. C'est bien conçu. C'est-à-dire, il faut qu'ils se décentrent un peu. Moi, c'est l'appel que je lance. Mais en retour, qu'est-ce que vous leur avez offert pour que se décentre un peu, comme vous le dites? Mais moi, j'imagine, si vous acceptez... Mais on a appelé, Abakar, une seconde. Oui. On a écrit 5 fois. Ça ne suffit jamais. Moi, je vais vous dire. Et nous sommes dire, prêtes. Ce que vous aurez pu prêtes, faire. Nous sommes prêtes, nous, facilitatrices. Je vais vous dire ce que vous à aurez pu faire, faire, docteur. Moi, j'ai lu, par exemple, dans les recommandations relativement à l'exercice des libertés politiques en lien avec la loi, si je m'abuse. J'ai lu, par exemple, que l'une des recommandations était la levée du placement sous contrôle judiciaire des 9 leaders et responsables de l'opposition. Cela n'a pas été fait. Aurait été un petit geste. Si cela avait été fait, cela aurait été pris en compte par le quatuor et cela les aurait motivés, docteur, à venir, à se joindre à vous. C'est vrai dans l'absolu. Pourquoi vous l'avez pas fait ? C'est vrai dans l'absolu. C'est pas à moi de le faire. Oui, je parle de tout le comité en fait. Il faut quand même comprendre la position de la facilitation. Et si vous voulez être juste, vous allez remarquer quand même une accélération de la procédure depuis que nous avons terminé. Nous travaillons avec le gouvernement pour que, si ces levées ne sont pas obtenues, que les procès soient accélérés. Et soyez-en sûrs, chaque jour, nous sommes là-dessus. Nous sommes facilitatrices. Quand vous venez d'un côté, on dit, mais qu'est-ce qu'on obtient si on fait ça ? Effectivement. Et de l'autre côté, on vous dit, c'est pour ça d'ailleurs que nous l'avons posé comme problématique pour que justement la session puisse se prononcer dessus. Bien. Et je rappelle qu'en session,
Ce qui a prévalu, c'est la loi, rien que la loi. Donc, ceci allait un peu à l'encontre de ceux qui demandaient de tordre le cou à la loi pour permettre aux uns et aux autres de venir. Et nous, non, mais ce sont des mesures d'assouplissement, docteur. Pas tordre le cou à la loi. Non. Je prends le cas, parce que Bassikou posait la question. Excusez-moi d'être gourmand. Bassikou posait la question sur le FNDC. Qu'est-ce qui aurait pu être fait pour, en termes de gestes de bonne foi en direction du FNDC, même si ce mouvement il est officiellement dissous. Mais ce sont des Guinéens qui sont à l'intérieur de ce mouvement et qui ne sont pas forcément contents de la façon dont la transition est gérée. Nous entendons cela. Vous aurez pu travailler, c'est ma conviction, à au moins obtenir un placement sous contrôle judiciaire de Fonike pour Fonike Mangé Ibrahim et au même titre que d'autres, les neuf leaders du Quatuor. Mm-hmm. Cela n'est pas fait. Et vous voulez que tout le monde vienne travailler rejoindre la mise en œuvre des résolutions du cadre de dialogue. Nous sommes, permettez que je ne dise pas tout ce que nous sommes en train de faire, mais vraiment, nous sommes très sensibles à la situation des personnes qui sont aujourd'hui dans les liens de la loi. Nous sommes très sensibles à la situation du FNDC. Vous savez, on les connaît tous, ce sont nos enfants et on leur parle. Nous sommes en train de travailler pour apaiser et nous pensons qu'il n'y a pas de limite à notre effort. Bien. Il n'y a pas de limite à notre effort. Ouais. Jusqu'à ce que pendant ce temps, Fonike Ibrahim coupisse en prison depuis 7 mois sans jugement, docteur. C'est dommage. C'est dommage. Oui, docteur, peut-être, Manu. Au passage, vous disiez que tout ce que vous faites, vous le faites au visa de la loi. Et la loi consacre la liberté de manifester dans ce pays. Mais l'une des recommandations, c'est que l'on sursoive à toute manifestation. Il y a une trêve. Il y a une trêve en termes de manifestation. Bon, je crois que le ministre Gawa l'a bien expliqué. Vous savez, les manifestations, il y a un diplomate, c'est pas moi qui le dis, il y a un diplomate qui me disait, en Guinée, ce ne sont pas des manifestations, c'est des combats de rue. Et qui se soldent par des morts. Entre manifestation et mort, qu'est-ce qu'on choisit? Mais c'est parce qu'on les a interdites. C'est pas... Docteur, quand on les encadre en général, il faut deux choses. Il faut que l'État fasse tout pour avoir les moyens d'encadrement des manifestations. Si ceci n'est pas encore obtenu, vous savez comment fonctionnent nos forces de l'ordre. C'est pas facile. Et des pertes en vies humaines, on en a un peu. On a un peu enregistré. Hein. Voilà, on en a un peu enregistré. Ouais. Alors, entre les deux, qu'est-ce qu'il faut prendre? Voilà. Le bilan est inacceptable pour un pays. Même si en amont, on peut éviter. On peut faire en sorte qu'il y ait moins de manifestants ou qu'il n'en ait pas. Donc, avec plus d'inclusivité. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord. Hein. Mais pendant le dialogue, lorsque la question a été posée, vous savez, le dialogue a été préparé, vous avez tous été informés. Une tournée, puis une tournée avec le PM, ensuite un projet de TDR validé en plénière, et puis on est passé au dialogue. Mais quand on n'est pas là, c'est un peu compliqué. On n'y a pas cru. Mais ce n'est pas fini, c'est un processus permanent. Nous y tenons. Même le comité de suivi qui est mis, il est permanent, il est ouvert. C'est pour ça que nous avons écrit le 13 pour dire, vous savez, les leaders peuvent ne pas être là, mais qu'ils envoient les représentants. Là où vous n'êtes pas, c'est un peu compliqué qu'on vous y entende. Qu'est-ce qu'ils vous ont répondu? Nous sommes en discussion. Vous n'avez pas reçu et nous sommes prêts, nous facilitatrices à nous déplacer. Encore une fois. Oui, Akumba, dernière question avant d'aller à la pause. Madame, avant qu'on aille à la pause, moi, j'aimerais surtout vous interroger sur un aspect de cette manifestation annoncée là. Au lieu d'interdire la manifestation, pourquoi ne pas discuter de ce qui motive celui qui veut manifester? Tout à fait. C'est notre point de vue. Alors, est-ce que vous y travaillez? Oui. Si tel est... Est-ce que vous parlez même avec Sekou Koumbolo? Justement, c'est la bonne question. C'est la question que je m'empressais de poser. Est-ce que vous, au moins, en tant que facilitatrice, est-ce que vous maintenez... vous discutez avec ces Guinéens. Au fait, parce que le FNDC est constitué de Guinéens, docteur. Oui, absolument. Au fait, nous entendons
ce que le FNDC demande. Nous travaillons avec le gouvernement pour voir ce qui peut être obtenu pour mettre face à face. Et même aujourd'hui à 14h, nous avons une réunion avec le chef du gouvernement sur la question. Ouais. Voilà. On sait que c'est très très compliqué. Oui. La marge de manœuvre est très compliquée. Mais c'est cela aussi, c'est pour ça que nous sommes là. Ça ne nous effraie pas. Bien. Voilà, ça ne nous effraie pas. Est-ce que tu peux désactiver certains micros, s'il te plaît? Voilà. On va s'arrêter là pour l'instant. Dans le cadre de cette interview, c'était donc la première partie. Nous marquons la pause pour nos conseils. Achan revient pour continuer cette émission, cette interview avec Dr Makali Traoré. On va entrer de plein pied dans le vif du sujet dans la deuxième partie de l'émission. Je me rappelle encore comme si c'était hier. Je me levais tôt espérant voir papa partir travailler. Avec sa mallette, il me tapotait toujours la tête me disant que j'étais le meilleur et il fallait que je protège maman jusqu'à son retour. Hier, Mouna Cyber en accompagna mon père avec son centre informatique. Aujourd'hui, comme opérateur télécom, Mouna Group Technologies s'adapte à mon temps et c'est un homme accompli et heureux que j'arrive à me surpasser dans mon milieu familial et professionnel. J'ai finalement décidé d'être le meilleur et pour ça, il faut être avec les meilleurs. Je suis le fils de mon père, je suis exactement comme lui, mais légèrement différent. Et le meilleur cadeau qu'il m'ait jamais offert était le cadeau du temps. Et je lui reste fidèle. Plus d'infos, contact @mounagroup.com. Téléphone +224 628 34 0101. Mouna Group Technologies, nous faisons mieux.
Efim, bonjour et bienvenue dans ce surf de l'actu. Un incendie violent a ravagé une partie du marché Anta. Selon les témoignages, le feu s'est déclaré aux environs de 2 heures du matin à l'intérieur de ce grand marché. Face à la propagation de la flamme, les boutiquiers qui passaient la nuit ont tenté d'éteindre le feu, mais en vain, il a fallu l'arrivée des sapeurs-pompiers assistés par des privés et des équipes de la sécurité, policiers et gendarmes pour maîtriser le feu. À en croire le secrétaire général du dit marché, cet autre cas d'accident est d'origine électronique. Le bilan provisoire fait état de plus de 30 boutiques ravagées par l'incendie. Sur le continent, l'Algérie a rappelé mercredi 8 février son ambassadeur en France. Un rappel pour consultation selon la formule officielle. Alger déclare protester fermement contre l'exfiltration qualifiée de clandestine et d'illégale d'une ressortissante algérienne, Amira Bouraouni, vers la France. Et ailleurs dans le monde, démonstration de puissance en Corée du Nord. À l'occasion d'une grandiose parade militaire ce mercredi, le pays a révélé un arsenal militaire impressionnant. Jamais le régime n'avait fait défiler autant de missiles à longue portée dans les rues de la capitale, alors que les relations intercoréennes sont extrêmement tendues. La Corée du Nord, en présence de son leader, accompagné de sa femme et de sa fille, a démontré au monde l'étendue de son pouvoir militaire. C'est tout pour ce surf de l'actu. Mirador se poursuit avec Aboubacar Diallo et ses chroniqueurs. À tous, merci de votre attention. FIM FM. Je me rappelle encore comme si c'était hier. Je me levais tôt espérant voir papa partir travailler. Avec sa mallette, il me tapotait toujours la tête me disant que j'étais le meilleur et il fallait que je protège maman jusqu'à son retour. Hier, Mouna Cyber en accompagnant mon père avec son centre informatique. Aujourd'hui, comme opérateur télécom, Mouna Group Technologies s'adapte à mon temps et c'est un homme accompli et heureux que j'arrive à me surpasser dans mon milieu familial et professionnel. J'ai finalement décidé d'être le meilleur et pour ça, il faut être avec les meilleurs. Je suis le fils de mon père, je suis exactement comme lui, mais légèrement différent. Et le meilleur cadeau qu'il m'ait jamais offert était le cadeau du temps. Et je lui reste fidèle. Plus d'infos, contacte @mounagroup.com. Téléphone plus 224 628 34 01 01. Mouna Group Technologie, nous faisons mieux. Je me rappelle encore comme si c'était hier. Je me levais tôt espérant voir papa partir travailler. Avec sa mallette, il me tapotait toujours la tête me disant que j'étais le meilleur et il fallait que je protège maman jusqu'à son retour.
Hier, Mouna Cyber en accompagna mon père avec son centre informatique. Aujourd'hui, comme opérateur télécom, Mouna Group Technologies s'adapte à mon temps. Et c'est un homme accompli et heureux que j'arrive à me surpasser. Mirador, la plus haute estrade de l'investigation journalistique, vous est présentée par la marque Ça Bouge, ses produits électroménagers et couches pour bébés. Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, investigation journalistique. Aboubacar Diallo. Troisième et dernière partie au compte de cette émission. Dans un instant, la suite de l'interview avec notre invité précis du jour, Dr Makale Traoré, facilitatrice, l'une des facilitatrices du cadre de dialogue interguinéen. Vous l'avez remarqué, vous l'avez suivi très certainement. Elle est en notre compagnie depuis 9h25. D'autres questions à lui adresser dans un court instant. À sa suite, nous partirons du côté des États-Unis pour entendre Monsieur Alpha Kolabalde, il est président du parti MAD et de la coalition Guinée gagnante, monsieur Alpha Kolabalde, donc qui va livrer également son regard sur la conduite de la transition en Guinée. D'ici là, quelques réactions encore de nos auditeurs avant de redonner la parole à notre invité, Malal Le Guinée. Bonjour Aboubacar, le grand chef suprême des médias pour le bonheur de la Guinée et des Guinéens. La CRIEF doit être plus ferme qu'hier sur le cas de Kassouri et compagnie en les maintenant toujours en prison car ils doivent rembourser les contribuables qu'ils ont détourné et il faut que ça soit clair, leur détention n'a rien à voir avec un règlement de compte. Malal Le Guinée, coordinateur de la vision CNRD. Razad le démocrate qui réagit aussi sur Facebook. Bonjour, notre dame nationale qui a pu laisser la politique de côté pour présider ses assises nationales pour l'intérêt supérieur de la nation et qui a pu mobiliser ses coalitions de partis politiques et de la société civile malgré tout le quatuor a tenté de saboter le processus mais en vain. Félicitations à vous, Razad démocrate, le démocrate qui donc s'adresse à Dr Makale. Thierry Le Madrilène, bonjour Thierry Le Madrilène, bonjour à tous, bonjour à mes parents de Bataba dans Diari Labé, ma compassion au boutiquier d'Anta en cette période très très dure de notre pays. C'est vraiment déplorable, les administrateurs des marchés de Conakry n'ont toujours pas pris des dispositions pour les marchés, les incendies n'ont pas commencé aujourd'hui, c'est dommage. Courage aux boutiquiers donc, qui ont été victimes de cet incendie. Allez, on va basculer sur d'autres canaux pour retrouver d'autres réactions. On y va avec Général Bailo qui réagit de nouveau ce matin, qui dit ceci. Bonjour le juste, bonjour à tous, bonjour à Colin, Kourantongo, Felo Koundoua, c'est Dantougué, Aboubacar. Permettez-moi de dire bonjour au coordinateur national du FNDC, Fonny Kemenge, Ibrahim Diallo et Bilo, tous prisonniers personnels de Charles White et son patron Mamadi Doumbouya. Une pensée à tous ces commerçants du marché d'Anta victimes d'incendie. Qu'Allah vous fortifie. Rendez-vous le 16 février 2023 pour la manifestation du FNDC, écrit Général Bailo. Allez, Abdallah, notre confrère aussi qui nous écrit, je voudrais exprimer ma profonde compassion et mes condoléances aux ressortissants turcs et syriens en Guinée pour la catastrophe humanitaire qui a fait des milliers de morts dans leur pays. Également, mon soutien aux nombreux commerçants du marché d'Anta victimes d'incendie ce jeudi. Allez, encore pour une minute avant de continuer cette interview. Abou Poutine Banco, ça paraît très très long. Le juste, il faut préciser que certains membres de la Cour constitutionnelle sont poursuivis pour des faits de corruption et non pour des faits et non le fait de dire le droit. Merci à Dr Makale pour votre rôle républicain pour la consolidation de la paix en Guinée. Cet autre qui nous suit depuis le Libéria, c'est Abdoulaye Fougoumba, Barry Abdoulaye Fougoumba, donc depuis le Libéria. Bonjour Mirador, good morning Libéria. Je ne comprends pas parce que là, c'est, j'affirme sans risque de me tromper que tous les Guinéens et Guinéennes vivant ici au Libéria écoutent FIM. Merci de votre fidélité sur place. Allez, ce message de notre ami Barry Mamad Alpha de Madina, UFDG Madina, qui nous écrit, qui nous a fait l'amitié ce matin en passant nous voir. Dieu merci beaucoup et infiniment merci car je suis dans les locaux de FIM FM pour saluer son personnel select. Mais en attendant, je suis en chair en os avec le président de la Ouma et le meilleur de sa génération, incontestablement Ibrahim Khalil Diallo. Voilà, un dernier avant de redonner la parole à Dr Makale, c'est Bella Kamano, notre confrère,
qui dit ceci, parlant du dialogue, il faut que les autres acteurs comprennent que le régime a changé, le président n'est plus celui qui était là, l'environnement et la gestion publique sont loin derrière nous, les pressions médiatiques d'hier et chantage ne passent plus, si leur patriotisme n'est pas illusoire, qu'ils s'adaptent. Bonjour à Dr Makale. Voilà, Bella Kamano, toujours égal à lui-même. La suite. Je me rappelle encore comme si c'était hier. Je me levais tôt espérant voir papa partir travailler. Avec sa mallette, il me tapotait toujours la tête me disant que j'étais le meilleur et il fallait que je protège maman jusqu'à son retour. Hier, Mouna Cyber en accompagna mon père avec son centre informatique. Aujourd'hui, FIM FM, Mirador, parole directe, interview vérité ou la fine bouche est bannie. Mirador, ici, la parole est directe. Bien, la suite de cette interview avec vous, Emmanuel Minimono. Oui, docteur, on va parler maintenant de cet appel qui a été lancé pratiquement au terme du sommet des chefs d'État de la CEDEAO, qui a parlé d'un éventuel, on va dire, une éventuelle délocalisation du cadre de dialogue qui pourrait se tenir dans un pays étranger, donc ce qui sous-entend la reprise du cadre de dialogue. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Merci beaucoup, Manu. Vous savez, dans un sommet, il y a ce qui se dit dans les couloirs et puis il y a le communiqué final. Ouais. C'est vrai que nous avons tous appris que cette question a été évoquée à la 62e session de la CEDEAO. Mais je pense que le communiqué final fait foi de la position officielle de la CEDEAO. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que l'accord avec la Guinée est acté et dans ce communiqué, on ne parle pas de la tenue d'un dialogue à l'extérieur. En tant que facilitatrice, c'est ce que nous devons prendre et faire en sorte que le dialogue que nous avons entamé à l'intérieur soit un dialogue ouvert, soit permanent, et c'est ce que nous faisons. Mais il n'est inscrit nulle part dans le communiqué final de la CEDEAO qu'il faille organiser un dialogue à l'extérieur. Je pense que si c'était le cas, ça aurait été écrit. J'ai entendu beaucoup de commentaires là-dessus. Je n'ai pas par habitude, depuis que je suis facilitatrice, de commenter les commentaires. Ouais. Mais je m'en tiens absolument au communiqué de la CEDEAO. Donc, au terme duquel, il n'est pas prévu de dialogue à l'étranger. Maintenant, ce qu'il faut quand même ajouter, c'est que notre pays n'est pas en conflit ouvert. Notre pays ne ferme pas les portes d'un cadre de dialogue qui n'est certainement pas parfait, comme toute œuvre humaine. Il est ouvert. Tout ce que nous demandons, c'est que les propositions parviennent et qu'au-delà des questions de personnes, que les propositions soient là et que ce qui peut être amélioré dans l'intérêt de notre pays, qu'on le fasse pour avancer. Vous savez, la transition est actée pour 2 ans. Ouais. Il faut s'activer pour que les 2 ans soient respectés. Et moi, j'ai toujours, en tout cas jusqu'au moment où je suis là, j'ai la faiblesse de croire que Mamadi Doumbouya n'est pas candidat pour les prochaines élections. Non. Ouais. J'ai la faiblesse de le croire parce qu'il le dit avec force et que, bon, jusqu'à preuve du contraire, il faut prendre cela comme une opportunité. Ouais. C'est vraiment ce que je peux vous répondre. Oui, il faut prendre cela comme une opportunité, mais dans le sens contraire, il y a ces leaders des grands partis politiques qui pensent que même s'il est décidé à ne pas être candidat, il soupçonne des manœuvres pour les disqualifier, pour les empêcher d'être candidats. C'est le cas de Dr Kassori Fofana, qui est jusqu'à récemment, qui était le président du comité de gestion provisoire du RPG arc-en-ciel. C'est le cas aussi de Sidia Touré, c'est le cas de Selou Dalein Diallo. Tous pensent que le CNRD, la junte au pouvoir, met tout en œuvre aujourd'hui en termes de manœuvre pour les empêcher d'être candidats prochaine élection présidentielle. Vous savez, donc c'est une chose en Guinée, que de savoir que le colonel éventuellement restera, en tout cas respectera son engagement,
Mais c'est, l'autre chose, c'est qu'il y a ces soupçons qui existent et c'est même pratiquement quelque chose qui semble être ancré dans leur tête aujourd'hui que tout est fait, tout concourra à les éliminer de la course à la présidentielle. Je vous ai écouté, vous avez dit, ils pensent au moins trois fois. Ouais. Ils pensent. Ouais. Et je crois que nous sommes tous victimes un peu de l'évolution de notre pays où le mensonge d'État était une réalité. Ça fait que le Guinéen ne croit en rien. Nous sommes tous victimes de ça. Je vous ai parlé tout à l'heure des assises. Ensuite, le dialogue. On soupçonne tout le monde. Tout le monde ment, entre guillemets. Mais je veux dire qu'il y a un effort à faire. Je crois que je l'ai dit ici. Il faut une espèce de mue chez chaque Guinéen pour essayer pendant cette de faire un effort de nous décentrer et de croire un peu et de travailler dans ce sens. Rester toujours dans ce qu'on pense et dans les supputations ne peut pas rendre service à cette transition. Prenons ce qu'il y a et continuons à nous battre pour ce que nous voulons. C'est extrêmement important. C'est vrai que on pense que oui, ils préparent quelqu'un. On pense que c'est pour que les autres ne soient pas... De toute façon, la vie politique, la classe politique est en mutation permanente, est en renouvellement. Et vous êtes, vous êtes favorable à cela? Mais bien sûr, c'est le cours même de la vie. C'est le cours même de ça la veut vie. Dire, ça veut dire quoi concrètement, docteur? Non. Qu'il faut Sidya Touré, c'est nous par exemple, ils doivent passer la main au sein de leur parti politique? Moi, je suis partisane que dans une institution politique, que tout ne tienne pas au leader. C'est très important. Aujourd'hui, moi, je me suis éloignée du pacte. Et le pacte continue à fonctionner. Parce que dès le départ, il y a une équipe qui est là et que tout ne tient pas à ma personne. Il est très important que nos leaders, qui, chacun pris dans son camp, aient le seul et le seul par lequel vit et respire un parti. Ça n'est pas normal. Ouais. Ces partis ont de très bons cadres. Je les connais, on les connaît. Mais attendez, franchement, je ne voudrais pas aller plus loin. Ouais. Mais il faut donner la chance au cadre. On sent que vous avez envie de dire des choses. Mais je suis facilitatrice. Ouais, vous êtes facilitatrice, bien entendu. C'est-à-dire, il faut donner la chance au cadre d'évoluer. D'émerger. Ouais. Et pourquoi pas de candidater. Ouais. Moi, si je vous suis très bien ce matin, vous avez envie de dire, Sidya Touré, c'est lui d'Alain Diallo, à un moment donné, il faut passer la main. Voilà, il faut passer la main. Il y a de très bons cadres au sein de vos partis et qui peuvent compétir. En tout cas, si le parti est bâti sur un individu, le jour où l'individu disparaît, le parti disparaît. Ouais. Et ce n'est pas ce que souhaitent ces leaders en même temps. Donc il faut qu'il y ait une logique dans l'attitude de nos leaders. Mais vous savez, ça c'est un petit coin que je touche. Nous avons quand même le malheur en Guinée d'avoir des leaders techniciens, pas des leaders politiques. Là là. Bien, la suite avec vous, Mamadouri. Alors, docteur Makalé, j'imagine, sauf si je me trompais, que votre médiation est dynamique. Mmh. Alors, elle peut s'adapter au contexte actuel. Mmh. J'ai envie de vous vendre une batna de médiation, mais à l'endroit du gouvernement. Parce qu'en fait, il y a un fait d'actualité dont on parlait tout à l'heure. C'est qu'il y a des gens qui ont été épinglés pour une question de marché illégalement partagé. La fameuse affaire d'Audio Gate. Ouais. Donc, Emmanuel le disait tout à l'heure ce matin, ces messieurs ont été mis en prison. Puis après, ils sont ressortis de prison et mis sous contrôle judiciaire. Mais dans le même temps, il y a anciennement d'autres cadres qui sont épinglés pour des cas de corruption, de ceci ou de cela, les cassouris et autres, qui ont fait pratiquement quoi, près d'un an en prison. Est-ce qu'en tenant compte de ces sujets d'actualité, vous ne pouvez pas demander au gouvernement d'atténuer la situation de ces messieurs-là pour que cela soit un préalable, une sorte de conditionnement au retour de leurs entités dans le cadre politique? Sinon, ça devient une sorte de deux poids, deux mesures, bien, mais flagrante.
Est-ce que vous allez tenir compte de ces sujets, de ces questions d'actualité? Ouais, c'est une recommandation. Voilà, une recommandation du cadre de dialogue. Absolument. Et qui se rapporte au placement, et, je vais lire intégralement, demander à la CRIEF le placement sous contrôle judiciaire des cadres en conflit avec la loi, non jugés depuis 8 mois, et d'accélérer la procédure judiciaire à leur encontre. Absolument. Et donc, vous avez noté cela certainement. Mm-hmm. Alors, quand Dr Dansa Kourouma, président du CNT, vous dit à vous, facilitatrice, mais aussi au gouvernement, de d'œuvrer en faveur d'un cadre dialogue plus inclusif, comment est-ce que vous entendez ça? Quelle perception vous avez face à cette entente-là? Et puis comment vous comprenez le concept ou l'expression « d'autres dialogues sont nécessaires » employés par l'ambassadeur des États-Unis en Guinée? Bon, je ne suis pas très intelligente pour lire dans la tête de Dr Dansa ou de l'ambassadeur, mais je pense que nous disons un peu la même chose. Le cadre est permanent. Mais vous savez, on peut ne pas tous être là au début et puis se retrouver à un moment donné. Moi, je dis que les uns et les autres fassent une bonne lecture du travail qui est fait, sans passion, et voir dans quelle mesure ils peuvent y contribuer. D'ailleurs, si vous lisez la lettre qu'on leur a envoyée, nous leur avons dit, compte tenu de leur expérience et de leur évolution, ils peuvent certainement apporter quelque chose au suivi des résolutions qui constituent une espèce de ramassis de vraiment des préoccupations en Guinée. Ouais. Sur la médiation, nous le faisons honnêtement. Vous ne pouvez pas imaginer, mais nous sommes entre le gouvernement, le CNRD et les coalitions politiques et autres, et la société civile. Mais la situation que je vous ai évoquée, est-ce que ça ne vous met pas dans une position difficile? Mais c'est difficile. De continuer à dire à un CELU, écoute, viens au RPG, venez au dialogue. Quand il y a des cas maintenant aujourd'hui qui semblent être des cas d'injustice à leur égard, pratiquement ces messieurs que j'ai cités sont soupçonnés pour les mêmes choses en quelque sorte qu'eux. Eux, ils sont en prison, mais eux sont dehors. Soupçonnés pour les mêmes choses, je ne sais pas, parce que je ne suis pas dans le secret des détails. Mais injuste, oui. Je suis d'accord et nous le crions tout le temps. On finira par être entendu. Mais ce que je veux noter, c'est qu'au-delà de ces recommandations, vous avez dû remarquer l'accélération de l'organisation du procès concernant les personnes qui sont en prison. Ouais. Il y a eu une accélération. Ça, c'est un travail souterrain que nous avons fait et que nous continuons à faire. Si vous ne voulez pas les mettre en résidence surveillée, accélérez leur jugement. Donc, d'où le procès des Kassouri qui est programmé, là? Absolument. Oui. Bien. Madame, mais vous n'avez pas répondu à la question concernant les appels qui ont été lancés par l'ambassadeur. Si, j'ai commencé par ça. J'ai dit que je ne suis pas suffisamment intelligente pour lire dans leur tête, mais c'est naturellement... Le dialogue est permanent, il est ouvert et que la notion d'inclusivité, je la relativise. Pourquoi? Parce que tout le monde ne prend pas le train au même moment. Mais le fait que ça soit ouvert décrit l'esprit vraiment d'ouverture pour une certaine inclusivité. Et vous avez cité particulièrement Sidia et Sello. Ouais. Ils n'ont pas à être là, mais qu'ils envoient des représentants. Vous savez... Quand vous n'êtes pas là, j'entends souvent dire 95% de l'électorat qu'il représente fait qu'il faut qu'il soit là. L'importance de ce trio, nous la mesurons, nous la reconnaissons. Mais en matière de dialogue, ce n'est pas le poids qui est important, c'est l'apport que vous faites au dialogue qui est important. Vous serez représenté par 2 personnes. Ce n'est pas par des milliers de personnes. Et les 2 personnes vont porter vos revendications. Donc, il y a une analyse un peu légère de la chose en disant 95% est représenté. Non, dans un dialogue, vous apportez. Ce n'est pas votre poids, c'est votre apport en termes de proposition qui est important. Mais par ricochet, il faut que aussi... Ceux qui représentent ces 95% prennent la mesure de leur poids dans la vie de la nation pour ne pas bouder un dialogue, quel qu'il soit.
pour ne pas bouder, c'est une question aussi de responsabilité. Quand tu représentes 95% de l'électorat d'un pays, tu ne peux pas te mettre à la marge, même s'il y a des difficultés. Docteur, c'est mon point de vue. En parlant d'inclusivité, je me rappelle, hein, sauf si je n'ai pas bonne mémoire, à l'époque, on vous a pris au téléphone, là, vous avez envoyé un signal fort à Mamadi au palais en lui disant, écoutez, vous pourrez par exemple prendre votre téléphone, appeler ces messieurs, je ne sais pas si vous l'avez dit ou pas, mais aujourd'hui, je crois qu'il ne l'a pas fait. Est-ce qu'au moins vous continuez à lui dire ça en étant maintenant facilitatrice, appeler votre grand frère Sidia, appeler Selou, ça peut changer les choses en fait. Est-ce que vous sentez chez lui cette prédisposition? Oui. Si, oui. Pourtant, il ne les a pas appelés. il y a des choses qui se passent. Vous pouvez jurer de rien. Je ne peux jurer de rien. Voilà. Vous nous promettez que ça va s'apaiser et qu'il y a des bonnes nouvelles. C'est notre espoir, vraiment. Et c'est notre combat. C'est notre combat. Qu'est-ce qui pourrait être fait là par exemple, dans les cinq pour ne pas que la manif du jeudi prochain ait lieu. Je vous dis que aujourd'hui à 14h, nous avons une réunion avec le chef du gouvernement sur la question. Sur la question de la manif du 16. Absolument. Voilà. Donc le FNDC, c'est pas une connerie. Non. Bien. Allez. Oui, madame. Oui. Les trois dernières questions. Oui. Les recommandations. Mon langage est moins châti. Merci. Parmi les recommandations phares du cadre de dialogue, moi je retiens ceci: l'âge limite fixé à 75 ans pour participer à la présidentielle et la trêve de 24 mois sur les manifestations. Dites-nous un peu plus sur notamment sur ces recommandations-là. Oui. Sur l'âge, il y a eu beaucoup de débats, beaucoup d'interruptions, beaucoup de va-et-vient, et puis on a voté. vous savez qu'il y a eu des équipes thématiques. L'équipe thématique qui a travaillé sur cette partie-là a proposé 80. Alors, quand l'équipe a prononcé 80, la salle a crié. Donc, il n'était plus question de parler de cela. Et le débat s'est ouvert. La majorité était pour 70 ans. Et tous qui ont assisté au dialogue peuvent vous témoigner. Nous avons usé de toutes nos capacités pour que, quand même, 70 ans aujourd'hui, on n'est pas tout à fait vieux. On est encore bien portant. Ouais. Et que surtout, notre pays a quand même une histoire qui n'a pas commencé aujourd'hui. Et que 70 ans, ce dégagisme-là, nous ne pouvions pas quand même cautionner cela. Mais il fallait discuter, persuader, conseiller toute la nuit pour que les choses évoluent. Ouais. Cet effort-là, c'est nous qui l'avons fait. Ce n'est pas les concernés qui l'ont fait, parce qu'ils n'étaient pas là. Et finalement, on a voté 75 ans. Mais cette recommandation, madame, ne s'applique pas aux futures gestions électorales. Mais bien sûr, Talib. Il s'applique. Bien sûr. Il s'applique. Et même si on a 75 ans, le 31 décembre 2024, on a le droit d'être candidat. Mais je voudrais ajouter ceci. Ça n'élimine personne? Je voudrais ajouter ceci. Dépassons les questions de personne. Je sais que beaucoup ont dit, ah oui, mais Sidia est concerné. Mais parce qu'on renvoie tout. Parce qu'apparemment, Sidia est le 77 ans. Non, mais je finis, s'il vous plaît. C'est vrai qu'il est concerné dans l'absolu. Mais sur le fait, il n'était pas visé. Nous avons une histoire qui nous a enseigné, qui nous a montré des expériences de présidents qui ne présidaient plus ce pays. Mais si on va au-delà des personnes, docteur Makale, permettez-moi cette parenthèse. Et si les gens ont cela en tête, ils réagissent en fonction. Ils se disent, on a un défi, c'est de faire en sorte de plus connaître ce genre de situation. Donc 75 et... Vous savez, la classe politique se rajeunit. Je suis désolée. La classe politique se rajeunit. C'est un élément qui échappe aux leaders. Elle se rajeunit. Et grave. Donc,
s'ils ne prennent pas leurs précautions, on va arriver bientôt au dégagisme. Non, mais au-delà de je sens que vous-même, vous êtes en faveur du dégagisme. En quelque sorte. Non. Mamadouri, avant dernière question. Voilà, au-delà du débat de personnes, je ne parle pas de Sidia ou de Selou en termes d'âge, mais je veux dire, au plan international aujourd'hui, les États-Unis c'est une référence, mais vous avez un vieillard qui est à la tête du pays. L'île Lula est de retour là au Brésil. Et tous ces exemples-là montrent aujourd'hui qu'on ne peut pas plomber en fait la candidature à une sorte de limitation d'âge. Est-ce que ce point-là ne nécessiterait le pas d'être changé à l'avenir? Est-ce que ça peut tenir? Je vais vous répondre en parabole. Est-ce que vous savez que même quand Joe Biden va en réunion, on sait à quelle heure il doit prendre un verre d'eau? Bien. Non, mais je vous dis que... Tout comme Obama, on doit le suivre. Comparaison n'est pas raison. Bien. Aux États-Unis, le président, il est corseté. Ouais. En Afrique, le président est un électron libre. C'est pas la même chose. Vous parlez d'âge alors que Alpha Condé, depuis la Turquie, on regarde une vidéo récente nous amène à manœuvre pour revenir malgré son grand âge, 84-85 ans. Docteur, il a même dit qu'il a rajeuni. Il a rajeuni. Est-ce que vous imaginez? Il veut redescendre Alpha revenir Alpha revenir au pouvoir en Guinée, docteur. Vous savez, je connais le président Alpha Condé. Je connais sa capacité de résistance physique. Et morale. Je l'ai vu mental, fatigué, plié en deux et prêt à partir. Ça, j'ai vu ça. Il a cela en lui. Mais la Guinée a changé. Ça en est terminé de Alpha Condé? Je ne sais pas. Ça veut dire que l'RPG doit tourner la page Docteur Condé. Adebwa Nonel fait comme Ousmane Gawal. Non, c'est pas ça. Vous savez, ma position est difficile. Ouais. Voilà. Si j'étais là en tant que autre, mais je refuse toujours de basculer. Jusqu'à la fin de ma mission. C'est pas une position facile. Oui. Dernière question, Kumba. Est-ce que vous serez candidate à la future élection présidentielle? Ah oui, très bonne question. Ah oui. C'est pas du tout une bonne question parce que je suis facilitatrice. Oui, tout à fait. C'est pas une bonne question. Mais si va prendre fin, vous ne serez pas facilitatrice jusqu'à la présidentielle. À un moment donné, vous allez vous décider, vous allez vous débarrasser de votre manteau de facilitatrice pour reprendre les rênes de votre parti et vous compétir. Savez, pour parler sérieusement, moi je me suis engagée en politique par conviction. C'est-à-dire, je ne suis pas politique professionnelle. Je suis entrepreneur, enseignante et tout. Mais je ne suis pas politique professionnelle. Pas technicienne, d'ailleurs, mais technocrate. C'est ce qui d'ailleurs explique que j'ai pu me départir de ça pendant un moment pour parler de paix. Sans la paix, qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui se fait actuellement politiquement? Rien. Rien. Parce que le pays ne va pas tout à fait comme bien on veut. Ouais. Et tant qu'on n'a pas obtenu cela, la politique ne m'intéresse pas. Lorsque les aiguilles seront bien placées et que vraiment je le ressens, bon, franchement, je le ferai. Mais ce n'est pas une profession pour moi. C'est un engagement. Mais vous serez candidate? Non. Je ne peux vous pas. Vous ne serez pas candidate? Non, mais attendez. Pour le moment, la question ne se pose pas. C'est pour ça que je vous ai dit que ce n'est pas une bonne question. Très bien. Voilà. Mais la transition est en cours, madame. Le moment viendra de... Vous allez me laisser tranquille. Bien. La toute dernière question à Kumba. On n'a plus que 2 minutes avant d'aller de prendre la direction des États-Unis. Ouais. Docteur, vous êtes facilitatrice. Mm-hmm. Donc, vous avez ou vous devez avoir le dos large pour porter tous nos problèmes, toutes nos erreurs, toutes nos fautes. Et nous amener à comprendre que nous avons fait des fautes, nous avons fait des erreurs, et nous conscientiser sur ces erreurs-là. Mais vous êtes doublé de juristes. Mm-hmm. Donc, juristes, je dirais, entre guillemets, esclaves des règles et des procédures. Ma question peut paraître un peu bête. Monsieur Ibrahima Kassori Fofana, Monsieur Diané Mohamed,
M. Oyegi Lavogui sont en prison. Ils ont obtenu plusieurs fois des ordonnances de mise en liberté par ceux qui instruisent les dossiers les concernant, mais ils restent en prison. Est-ce que vous pensez que les procédures sont respectées? Puisque vous êtes facilitatrice, vous allez amener le gouvernement à respecter les procédures, d'autant plus que le président de la République, le président Mamadi Doumbouya, s'est engagé à faire de la justice la boussole. Aujourd'hui, moi, je me demande et j'aimerais bien avoir une explication de vous en votre qualité de juriste doublée de la, du statut de facilitatrice. J'aimerais savoir pourquoi ceux-là sont en prison aujourd'hui, d'autant plus qu'ils ont eu plus d'ordonnances de mise en liberté que d'ordonnances de renvoi devant un juge. Ça, c'est ma première question. Puisque vous êtes facilitatrice, j'espère que vous allez résoudre beaucoup de nos problèmes. La deuxième petite question que j'aimerais vous poser, il est vrai que l'idéal est que le dialogue se fasse entre des représentants des entités. Mais on a vu en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, tout puissant, réformateur, bâtisseur, faire appel à, aux anciens présidents pour discuter avec eux directement. Et cela a apaisé beaucoup de cœurs puisque la violence est polysémique. Alors, est-ce qu'on peut rêver à ce que vous, facilitatrice, vous réussissiez un jour à réunir un minimum de nombre de, d'acteurs, de leaders? Et puisque chaque propos doit être illustré pour être mieux compris, est-ce qu'on peut rêver de voir M. Alpha Condé, M. Sélou Dalein, M. Sidia Touré, et j'en passe autour de Mamadi Doumbouya pour discuter des questions relatives à la Guinée et des questions des réformations institutionnelles, parce que vous n'êtes pas sans savoir que Assé Maglou a démontré que le développement n'est qu'une question des institutions. Merci Akumba. Oui, très rapidement, docteur. Alors, rapidement. D'abord, sur la question de la justice. Vraiment, je pense que je ne vous surprendrai pas en vous disant que je ne peux pas m'immiscer dans ce débat-là. C'est très important de respecter la justice qui est lente par nature. Elle est lente. La justice est lente. C'est comme ça. Est-ce que vous pensez que la libération de Kassouré pourrait assouplir la position donc, de RPG si vous, donc, si vous, en tant si que vous, facilitatrice donc, si vous permettez vraiment ce qui concerne la justice, pardonnez-moi, je ne peux pas. Par contre, Akumba, tu soulèves une question extrêmement importante que j'entends. Que j'entends et je voudrais ici prendre l'engagement de mener ce combat-là. Demander que les présidents puissent se retrouver. C'est une idée excellente que j'achète. Bien. On n'y a pas pensé, mais c'est vrai que voir Alpha, Sélou, Sidia autour de Mamadi, ça serait historique. Et je pense, si le colonel m'entend déjà, vraiment, je lance cet appel et je vais m'y investir. Voilà. Ça, c'est très important et c'est important pour les Guinéens, c'est important pour la Guinée. Bien, et c'est sur cette note d'engagement d'espoir donc, de la part du docteur lancée par docteur Makale que nous allons mettre un terme à cette interview. Grand merci à vous, docteur. Merci. Merci pour votre contribution au débat et donc à l'avancement de la Guinée. Merci d'avoir accepté encore une fois notre invitation. Mirador, continue. Sur les... Je me rappelle encore comme si c'était hier. Je me levais tôt espérant voir papa partir travailler. Avec sa mallette, il me tapotait toujours la tête me disant que j'étais le meilleur et il fallait que je protège maman jusqu'à son retour. Hier, Mouna Cyber en accompagna mon père avec son centre informatique. Aujourd'hui, comme opérateur télécom, Mouna Group Technologies s'adapte à mon temps et c'est un homme accompli et heureux que j'arrive à me surpasser dans mon milieu familial et professionnel. J'ai finalement décidé d'être le meilleur et pour ça, il faut être avec les meilleurs. Je suis le fils de mon père. Je suis exactement comme lui, mais légèrement différent. Et le meilleur cadeau qu'il m'ait jamais offert était le cadeau du temps. Et je lui reste fidèle.
Plus d'infos, contact @mounagroup.com. Téléphone +224 628 34 01 01. Mouna Group Technologies, nous faisons mieux. La plus grande tribune politique des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. Ben malheureusement, nous sommes pris par le temps. Voilà, nous sommes obligés de reporter l'intervention de M. Alpha Kola Baldé, à qui nous présentons donc toutes nos excuses. Voilà, parce que voilà, il a tellement de choses à dire sur l'actualité sociopolitique de notre pays que tout cela ne peut pas être dit en moins de 10 minutes. Voilà, toutes nos excuses donc au président du MAD et de la coalition Guinée-Gayante que nous allons donc reprogrammer dans cette émission, bien entendu avec son accord. J'espère bien en avoir été compris par notre invité, M. Alpha Kola Baldé, qui va revenir plutôt, qui va revenir dans cette émission plus tard. Talib Bari va s'en charger. Quelques réactions très rapidement avant de donner la parole à nos chroniqueurs pour revenir sur cette interview de Dr Makale. Fode Baldé de l'UFR, des conclusions diversement interprétés, mais comme ça ne nous concerne pas, ils peuvent penser et croire à pouvoir disqualifier un homme par des pratiques non catholiques parce qu'aucun dossier pouvant l'incriminer judiciairement n'a été obtenu contre lui. Nous sommes là et nous observons le président Sidi Touré et notre candidat, que cela soit su, écrit. Fodé et Baldé. Allez, d'autres réactions en une minute avant de continuer ce message de voilà, d'un anonyme. Bonjour Aboubacar, je suis en colère contre l'État. Ce marché est encombré par des conteneurs gérés par la mairie et le bureau du marché. Doumbouya doit dégager les encombrants du marché. Donc c'est un anonyme qui nous envoie ce message. Imran Adialo qui est à l'écoute également. Bonjour Imran Adialo, citoyen indigné. Bonjour Titi à toute l'équipe. Docteur Makale à tout dit sauf l'essentiel. Elle s'identifie à l'image du Guinéen qui a toujours nourri aux autres des faux espoirs, des promesses. Toutes les erreurs du passé ont refait surface. Combien de personnes sont tuées sous le CNRD? Combien croupissent en prison à tort, sans jugement? Finalement, vous facilitez pour le CNRD à se maintenir au pouvoir contre la volonté du peuple. Et enfin, le tout dernier qui s'exprime, c'est bien entendu Ali Moussank et Baba Alpha, voilà, le loup de colère. Ali Moussank, bonjour le King et à toute l'équipe de Mirador. Bonjour à mes parents de Sankarela et ceux de Port-et-Dakar. Je crois que nous avons déjà pris en compte ce message. Et puis, pour terminer, donc, le loup de colère qui s'exprime et qui dit ceci. Bonjour Titi, bonjour à toute l'équipe de Mirador. Titi, toute ma compassion aux commerçants du marché d'Anta. Qu'Allah les vienne au secours. Titi, je suis très ce matin face à cette injustice qui caractérise notre pays. C'est inadmissible que Kassori et compagnie soient en prison pour des présumés faits que nous connaissons et que les cadres du ministère des infrastructures sous le CNRD bénéficient d'une liberté conditionnelle ou je ne sais quoi. L'injustice ne favorise pas le développement d'une nation. Tout mon soutien à Kassori et compagnie et également aux membres du FNDC dissous. Qu'Allah nous vienne au secours, nous dit donc Baba Alpha, le loup des colères. On est presque au terme de cette émission. Très rapidement, Talibé, on a suivi Dr Makale. Oui, en tout cas, elle a dit beaucoup de choses, mais la question de ce dégazisme sur laquelle elle s'est exprimée, je ne sais pas si mon intuition me trompe, mais j'ai l'impression qu'elle-même, elle se serait résignée à ne pas éventuellement voir la possibilité que ces Lucida et autres soient candidats. C'est l'impression que j'ai parce que, bien évidemment, aujourd'hui, on ne peut pas envisager une sortie de cette transition sans, justement, ces acteurs très grand importants. Ouais. Et si cette transition est en transe, elle est en difficulté, c'est justement
principalement parce qu'il y a le cas de ces anciens leaders qui pensent fermement qu'on veut les écarter. Pas anciens leaders, Talibé. Non, non, je veux dire... C'est grand leader, alors. C'est ces grands leaders. Bien. Donc, parce qu'ils pensent fermement, leurs militants pensent fermement qu'il y a cette intention, ce projet de les écarter. Et est-ce que cette rencontre voulue par Akumba et donc à laquelle Mme Makale souscrit pourrait aider justement à ramener tous les acteurs importants là autour d'une table? Ouais. Personnellement, je n'y crois pas. Et qu'on donne la chance à Boubacar, à tout le monde d'être candidat, ouais, et que ce soit le peuple Merci. Qui partage. Merci, ces candidats. Allez-y, Bassekou. Alors, moi, je note dans son intervention qu'il y a eu des avancées, notamment lors de ce cadre. Elle a rappelé l'arrêt des opérations de déguerpissement, la régularisation des personnes mises à la retraite, tout ça, la situation des travailleurs dont les comptes sont bloqués. Tout ça, c'est bon, mais sur les questions éminemment politiques et la question notamment des personnes aujourd'hui qui sont en maille avec la justice, je pense que sur ce point, le dialogue n'a pas produit des résultats assez importants. Notamment, il s'agit par exemple des leaders politiques, les neuf qui sont aujourd'hui placés sous contrôle judiciaire, ouais, dont on veut aujourd'hui la lever. Je pense que sur cette question-là, et vous connaissez très bien la position du CNRD sur ces questions, je ne pense pas que ces facilitatrices-là pourront gagner gain de cause sur ces questions. Et l'autre chose, c'est également l'âge limite qui est fixé à 75 ans pour la présidentielle et qui doit commencer à partir donc des futures échéances électorales. Mmh. Moi, je me demande... Mais ça va être une source de quasi-délit. Ça va être très difficile. Vous ne pouvez pas dire à l'UFR de participer au dialogue. Pendant ce temps, il y a une question notamment qui coince son président et qui peut-être pourrait... Non, empêcher... vous ne pouvez pas leur dire de participer à la mise en œuvre. À la mise en œuvre, vous avez pris des recommandations. Qui a décidé que le leader de l'UFR ne soit pas candidat. Et l'autre chose, c'est... Ce serait une insulte. Et l'autre chose, c'est le FNDC. Une insulte à l'UFR. Les manifestations sur la voie publique sont interdites et pendant ce temps, vous demandez au FNDC de participer à la mise en œuvre de ces recommandations. Je ne sais pas comment tout cela va se matérialiser sur le terrain. Faut-il espérer que, en tout cas, quelque chose sera décidé aujourd'hui à l'issue de la rencontre qui est prévue à 14h entre les facilitatrices et le PM pour désamorcer cette manif qui est projetée par le FNDC? Je crois plus à la disposition qui seront prises pour gérer la... Oh là là, Manu, que... Non, mais Aboubacar... Mais c'est vrai, il faut être réaliste. Non, mais ce sont les facilitatrices qui viennent discuter de cela avec le PM. Les facilitatrices ont un mandat. Elles sont en train de se battre, comme Makale nous l'a fait comprendre tout à l'heure. Elles se battent, elles font ce qu'elles peuvent. Mais évidemment, on a vu que sur un certain nombre de questions, elles n'ont pas pu. En tout cas, jusqu'à maintenant. Les questions liées notamment à cette levée de contrôle judiciaire, les questions liées... En tout cas, on a l'impression que tout ce qui touche au terrain politique... pour l'instant, leur est hermétiquement verrouillé. Sinon, on aurait pu obtenir un placement sous contrôle judiciaire. De Founiké Mengé. De Diané, de Founiké Mengé. Ibrahima, oui. Ouye, comment il s'appelle celui, le dernier qui vient de les rejoindre. Bilo. Ouais. Et la levée peut-être du contrôle judiciaire de ceux-là qui de sont neuf, sous contrôle judiciaire. De ces neuf acteurs politiques. Ces leaders politiques. Ouais. On a quand même l'impression que sur les questions politiques, pour l'instant, les facilitatrices ne réussissent pas à faire bouger les lignes. J'imagine que ce n'est pas faute de volonté. Mais en face, évidemment, les questions politiques, elles sont ainsi difficiles à gérer. Bien. Mais pour ce qui est de la question du FNDC, je pense que si une réunion aura lieu, c'est peut-être une réunion pour voir comment on va gérer la journée. Par contre, Aboubacar, pas pour désamorcer. Parce qu'il n'y a aucun espoir de pouvoir désamorcer cela. À moins de libérer Founiké immédiatement, Ibrahima Diallo, le libérer immédiatement, prendre attache immédiatement avec Sékou Kounduro, ce qui, dans le cas actuel, n'est pas, pour l'instant, n'est pas envisagé, n'est pas à l'ordre du jour. Et rapidement, pour ce qui est de la question de l'âge, il y a quand même un certain nombre de choses qu'il faut dire à Boubacar. Je ne suis pas d'accord avec le principe de prendre des décisions pour que des individus se trouvent écartés du processus électoral. Que ce soit un Selou, un Sidia ou un Kassouri, il ne faut pas prendre une quelconque mesure pour les mettre dehors. Si quelqu'un est rattrapé par une gestion judiciaire, par une gestion administrative, et que cela soit sur le terrain judiciaire, ça c'est autre chose. Mais qu'on s'asseye par exemple pour limiter l'âge pour postuler à une élection, je pense que c'est un peu aller trop loin pour une transition en tout cas. Ouais. Parce que ce sont des expériences qui doivent naître avec le temps. Bien. Pour l'instant, on aurait pu mettre en place un certain nombre de briques
sur lesquels la prochaine République va pouvoir se bâtir et progressivement la démocratie va se renforcer et les autres principes vont y arriver. Merci. Mais il faut quand même reconnaître Sidia, je prends les trois les principaux, Sidia Touré, c'est le Dalain Diallo. Alpha Condé. Alpha Condé a déjà été président. Sidia Touré, c'est le Dalain Diallo. Kassori Fofana, Lansana Kouyaté, les quatre, tous ne seront pas présidents. Ça, c'est clair. C'est peut-être clair. Un d'entre eux sera président, les autres ne seront pas. Peut-être aucun. Les autres peut-être ne seront, aucun voilà, aussi. Peut-être voilà. aucun, ouais. Mais une chose est sûre, tous ne seront pas présidents. Ça, c'est pas possible. Donc, il faut aussi, à leur niveau, qu'ils pensent à rajeunir au sein de leur parti politique. Pourquoi pas. Voilà comment on va se quitter au compte de cette émission pour ce numéro de Mirador en ce jeudi 9 février. Grand merci à tous les six. Voilà. Merci également à nos équipes, à la régie, à la transmission. Merci à vous tous qui nous avez suivis un peu partout aux quatre coins du monde. Merci. Une pensée donc à M. Alpha Kola Baldé voilà, qui est debout depuis de longues heures à l'attente de notre appel. Voilà, toutes nos excuses à lui. Hein, on va essayer de reprogrammer son intervention de cette émission avec bien entendu son accord. Ça n'est terminé donc pour ma partition pour cette semaine. Demain ça sera avec Mamadou Ry et samedi vous serez avec Ibrahima Khalil Diallo, le maire de sa génération si je m'abuse. On se reprend lundi, portez-vous bien, au revoir. Vous avez suivi les FIM 24 Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée, avec Aboubacar Diallo, Talibé Barry, Mamadou Ry Diallo, Akumba Diallo, Kabine Fofana, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé.